Ah là, là on nous entend. Ah. Hello, bienvenue. Bienvenue pour ce stream. Donc, on est combien? On est wow, 42. Wouh! Wouh! Ah, plus lent ça. USA, oh, USA. Wow. Pour Madden, c'est incroyable. Bon. Croise pas les bras. Si, j'ai un moustique qui m'a piqué. Je suis pas en train de croiser les bras, je me gratte en fait. En même temps, t'es un sportif, t'as le droit. T'as le droit. Ouais. Avec du bon bicep bien gras là, tu vois. Le mec qui a pas fait de sport depuis des années. Hello. Donc Madden 20. Cette année, pas énormément de changements par rapport à l'année précédente. Le principal changement, ça va être le X Factor. Au revoir la rédac. Au revoir, ouais, il ferme la porte. Il nous enferme devant manger. Ouais, c'est ça, bah ferait bien, bande de bâtards. Attention, t'as dit un gros mot. Ouais, bon, fou. Donc, du coup, ouais, le X Factor qui est le principal, on va dire, changement cette année. Alors qu'est-ce que c'est? Bah, je vais vous montrer directement par le menu. Ce sera beaucoup plus parlant. Le X Factor, qu'est-ce que c'est? Paf, regarde. C'est quoi le X Factor? Dans chaque équipe, c'est quoi? Tu as un star player. C'est toi? C'est toi le star player. C'est moi. C'est toi le star player. Donc en fait le star player il sert à rien. Il est juste pour faire beau quoi. Voilà. Donc plus sérieusement, dans chaque équipe, tu as un ou deux star players. Ça sera pas plus sérieusement. Hein. Non, je suis désolé, j'ai quelque chose. Et en fait, tu vois, ils ont des compétences. Mais en fait, ces compétences vont se déclencher que quand tu auras effectué certaines actions pendant le match. Genre, ils savent miner, ils savent construire des. Exactement, des trucs, tu construis des bases avec des tourelles. Ouais. C'est absolument fantastique. Genre, t'en as un, il sait se battre au sabre. Ouais. Ok. Là, ça exemple, va, le son il est bon, oui, il est assez fort. Dites-nous, parce que nous, on n'y connaît rien. Donc, c'est bon, ça vous va le son, la musique est pas trop forte, pas trop faible. Ouais, c'est un bon équilibre, une belle osmose. Et on n'a pas le retour du son. Ah oui, d'ailleurs, t'attends quoi? Bah, c'est quoi ce bordel? Je sais pas, toi le pro, moi j'y connais rien. Bah ouais, mais j'y connais. Mais. Il s'occupe du son, bah j'y connais rien, ouais, écoute. Non, mais attends, on l'avait tout à l'heure en plus. Attends, j'ai dû le désactiver. Oh putain. Ah, bah voilà. Vidéo capture. Bah non, ils l'ont sorti. Non, mais c'est peut-être là en fait. Là par là. La patate, t'as branché un truc avec tes petites enceintes là. Bon, pendant que tu regardes, je vais t'expliquer. Ah non, il y est en fait, c'est qu'on parle fort. Mais ça y est, on l'entend pas. Mais c'est que le son doit être très faible en fait. Tu peux pas l'augmenter un peu? Bah non. Bon, et ben voilà, et ben on jouera comme des sourds. Voilà. Donc chaque star player a des. Comment dire? Un X Factor qui lui permet d'obtenir un bonus précis lorsqu'il a effectué certaines actions. Bah viens Toto. Par exemple, allez, viens, on va avoir un edge rusher par exemple. C'est pas ton timide. Après X sac va soudain avoir un gros bonus pour faire plus de. Il faut que tu portes une veste. Allez viens Toto. Faut que tu portes une veste. Donc voilà la principale nouveauté. Mais non Toto, tu vas montrer ta gueule. Allez viens Toto. Il est timide. Oh là là. Toto. Toto de la maquette. Toto de la maquette. Du rugby, mais je vais te frapper, toi. C'est grâce à cet homme qu'en fait cette boîte fonctionne. C'est grâce à lui. L'homme de l'ombre. Sinon, en fait, il n'y aurait rien. Voilà. Donc, cette année, l'autre nouveauté, mode de jeu solo. Pardon, excuse-moi. Le visage de la franchise. Oui. Face of the franchise. Ouais, c'est toi. Yes, non, c'est Toto. Course. On va commencer par ça parce que c'est un peu le mode solo qui permet de découvrir gentiment le jeu. Donc en fait, c'est un jeu dans lequel tu crées ton personnage et tu vas évoluer. Ouh, dans... Je vais regarder, je vais les scroller. Tu vas commencer depuis le collège et tu vas évoluer dans la ligue de la NFL. Donc commencez votre voyage. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? On fait trop de bruit? On attend Toto pour aller au food truck. Il a besoin de Toto. Bah non, mais... Dendu, viens! Bon, tant pis. Vous avez raté de peu Dendu. Donc là, tu vois, t'as la petite cinématique qui te met un peu dans l'ambiance. Hein. Ah merde, j'ai oublié. J'ai pas écouté. Tu veux t'expliquer comment fonctionne le jeu, ça? Non, j'expliquais les nouveautés, en fait. Mm. Donc j'ai expliqué le X-Factor et le mode visage de la franchise, là, qu'on va découvrir. Donc toi, t'as des petites cinématiques, etc. On te met un peu dans la peau. Donc, tu fais ton personnage, en fait, tout simplement. C'est chelou. Ouais, mais il change de couleur. C'était un peu... C'est un pic.
Ça rappelle, tu sais, la vidéo là, d'un mec qui trifouille à toute vitesse l'éditeur de perso dans Fallout. Ouais, whitewashing, ouais, c'est clair, c'est vraiment whitewashing à mort. Quoi. Où t'as le mec qui se distordait dans tous les sens à toute vitesse, ouais, parce qu'il ouais. touchait les boutons dans tous les sens. Donc tu vois, t'as plusieurs traits. Plusieurs moi, je veux qu'il y ait une tête d'Américain. Eh ben écoute, on va essayer de trouver une bonne mâchoire bien carrée comme un mâchoire de chewing-gum. Un peu rond, ça. Non. Bon, vas-y, on s'en fout. Tiens, là, tu vois ton Américain, regarde. Ouais, Américain, un mâchoire... peu... Un peu des pays de l'Est, quand même. Ah, écoute, de toute façon, les Américains, c'est tous des immigrés, hein. Bah oui, le pays s'est fondé sur une colonie. Hein. Alors, on va éviter le sujet. Bah non, mais, je suis désolé, aux États-Unis... on va pas trop parler de... aux États-Unis, t'as des immigrés français, des immigrés russes, des immigrés africains, etc. Enfin, c'est tout un melting pot, pot. Mais tu sais, il y avait aussi des gens qui habitaient là avant, en fait. Oui, non, mais ceux-là, ils... faut voir pas ce qu'ils vont faire. Hein. Voilà. C'est... Non, ils sont toujours là, en fait. Ouais, donc, les pauvres, ils sont parqués. Bon. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Couleur des cheveux. Hein. Melting Pol Pot. Ouais, c'est un peu la gueule, Melting Pol Pot. Ouais, écoute, on regarde les cheveux noirs. On va mettre une barbe, si on peut. Ah oui, bien. Une grosse barbe de bobo. Allez, une grosse beubard, là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais non! Avec des poils qui dépassent comme ça. Ah oui, j'aime bien. Oh, ouais. La moustache, c'est toujours cool quand même. Mais ils ont pas une barbe à la fils Patrick là, un truc genre barbe. Bah non, il y a pas de bobo dans la NFL. Désolé. Oh, désolé. T'as la tristesse. Je dis bon, bobo, écoute, mais en fait, ça, hein. Je pensais à autre chose. La couleur de la barbe, ok. Allez, avec des yeux verts, voilà, nickel. Ouais, heureusement, j'étais là pour le dérapage, vous voyez, c'est ma présence. Donc, toi. On dirait un rappeur français. C'est vrai qu'il fait un peu rappeur français. Le truc, c'est limite du Skyrim. Hein. Toi, tu trafiques. Ah ouais, non, mais on s'en bat les couilles. Et enfin, bien sûr, ça c'est important. Est-ce qu'il est gaucher ou droitier? Ah, gaucher. Comme ça, il sera bon. Et il mettra sa souris à gauche. Alors non, parce qu'il faut savoir que le côté aveugle d'un quarterback, par défaut, c'est le côté gauche. Si tu commences à... Parce qu'en fait, quand il va pour lancer, il se met comme ça, quand il est droitier. Ouais, ouais. Donc ouais. Son côté aveugle est ici. Donc ça veut dire qu'en général, les équipes se basent là-dessus sur leur plan de jeu. Quand tu commences à être gaucher, tu obliges les mecs à repenser tout leur plan de jeu. Ah, c'est le quarterback. Voilà. Ah, c'est le, c'est le winner. C'est pour ça qu'on te demande s'il est gaucher ou droitier. Si t'étais lineman, on ne demandait pas si t'es gaucher ou droitier. Alors, je ne sais pas si parmi vous qui nous regardez, parmi ceux qui sont sur le chat, sont comme moi, ils n'y connaissent strictement rien à la NFL ou à ce sport. Mm-hmm. Mais moi, c'est le cas. Je n'y connais rien. Ah, bah ça, on va t'expliquer. Voilà. On va t'expliquer. Bah, alors, tu veux un petit résumé? Bon, alors déjà, c'est bien, on est né à Montargis. Ça, c'est cool. Hometown, Montargis. Montargis. Donc, en gros, pour résumer le football américain, la Ligue, 32 équipes, divisées en deux conférences de 16 équipes. Voilà pour la base. Dans chaque équipe, tu as 53 joueurs. Là, tu vas me dire, 53 joueurs, il n'y a pas 53 joueurs sur le terrain. C'est ça normal, cool. En fait. Ça serait trop cool. C'est normal, mais ce serait cool. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois sur le terrain, tu as toujours 11 joueurs. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est des rotations d'équipes. C'est-à-dire que tu vas avoir une équipe, tu vas avoir un roster défensif, un roster offensif et un roster qu'on appelle la special team. Ouais. T'as failli me brouiller. Hop là, voilà. Quatre doigts en moins. Hop, ça sert à rien. Donc, en gros, quand tu es en attaque, bah, tu mets en place ton roster offensif. Tu as 11 mecs qui sont là. Quand tu es en défense, tu mets en place ton roster défensif. Et quand tu as une action spéciale comme un punt, un kick, un field goal, etc., en gros, tout ce qui consiste à taper dans le ballon avec le pied pour le faire passer entre les barres. Ok, ça c'est bon, j'ai compute. Là, tu as la special team qui intervient. La special team. Mais oh, c'est trop la classe. Et donc, special tu vas me dire, quoi qu'il arrive, faire partie de la special team. 11 mecs en attaque, 11 mecs en défense, ça fait 22 mecs. Donc, pourquoi 53? En fait, pourquoi 53 ? Parce que déjà, tu as la special team avec quelques joueurs, des fois, qui interviennent que dans la special team. Mais la special team, souvent, c'est un mélange de joueurs de l'attaque et de la défense. D'accord, ok. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est grosso modo, tu as 11 mecs en attaque et en défense, plus tout un tas de remplaçants, parce que comme c'est un sport qui est extrêmement épuisant, les mecs se fatiguent très facilement, donc on essaie d'être en repos. Ouais, et puis il faut qu'ils soient attentifs et tout, sinon ils se fatiguent. Tout à fait. Et donc, en gros, ce qui se passe, c'est que sur le terrain, comme tu vas le voir, on a droit à 4 essais. Pour faire parcourir 10 yards à la balle. Si au quatrième essai, on n'a pas réussi à faire parcourir la balle, on la laisse là où elle est. Et l'équipe. Vas-y, avance un peu dans le jeu par contre, parce que là, c'est en train de me buter là, le plan. Mais, vas-y, mais par contre, continue à m'expliquer.
Et ce qui se passe, c'est que tu vas me dire, bah, dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'on on peut pas... Eh oui, je sais, mais en fait, je peux pas. Il me fait revenir à chaque fois, là. Attends, rotate player, machin, et là, je pige pas... Ah, voilà. Ah, il faut pas taper sur le bureau, ils disent. C'est, je pense que, c'est comme si tu leur tapais dans les tympans. Ah, tu vois, bah voilà, dans la merde, tu vois. Pourquoi ? T'as pas entendu nos voix. Bon, on s'en bat les couilles. Enfin, on s'en moque. Allez, équipe voice 2. Bon, pas apprendre que ça va là, et qu'on est en train de performer notre, notre personnage. Ouais. Et puis il est en train de pleurer, là. Non, c'est... Ah, c'est... bizarre la tête. Ouais, il est en sueur en fait. Putain, il est en sueur là. Attends, il dit, toi, non, mais il y a une tension, il y a une tension malade là. Il y a un mec aux chiottes. Oh, putain, ouais, qu'est-ce qu'il est dans les toilettes. Que se passe-t-il? Mais peut-être que ce n'est pas un homme. Oh, qui est-il? Il est dans deux toilettes différentes. Quel est ce personnage mystérieux qui fait caca? Il est dans deux toilettes différentes, c'est un malade le mec. Par contre, le mec, il lui donne des concerts, qui fait caca. Hey bro, cool. Thanks man. Yeah. Bah en fait. Alright man. Putain, c'était intense. Ah là, c'est. Ouais. Ah, Woody Allen, la camastomie. Ah putain, non, mais il y avait une intensité. Ah, il choisit ses casquettes. Ouais, parce que là, en fait, tu choisis dans quelle école tu vas aller. Parce que tu commences au collège et pas en NFL. Alors, malheureusement, pour les connaisseurs, on reconnaît bien sûr hein, des collèges célèbres. Ouais, grave. Malheureusement, il n'y a pas tous les collèges. Personnellement, j'aurais adoré pouvoir rejoindre les Wolverines de Michigan. On peut pas. Donc, on va se contenter d'autre chose. Tu sais quoi, tu vas choisir ma place. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes bien? Moi, j'aime bien le crocodile. La Floride. Florida. Allez. Ouais, le crocodile. C'est bien ridicule. Bah, t'imagines que là, pour les mecs, c'est comme s'ils rentraient en division 1 dans le football. Au collège. Oui, c'est en fait ils appellent ça au collège, mais en fait parce que c'est financé par les universités. Ouais, ouais, ouais. Mais par contre, le niveau de jeu et les gains que ça rapporte, etc., c'est à peu près grosso modo la Ligue 1 de football. Quoi. Et après, quand tu passes en NFL, ouais. Là, bah, c'est comme si tu rentrais dans une équipe nationale. Même si, encore une fois, hein, c'est des états, etc., tout est... Putain, ils ont des écrans derrière leurs accoules. Putain, trop bien. Ah putain, avec les émissions de la NFL. Ah, ça fait un petit nudge, quoi. C'est cool. Non, on peut pas choisir les Chicago Bulls. Ouais, tout à l'heure, Ken Lust a montré ses muscles, mais t'as raté. Enfin, bah ouais, c'était un grand moment. C'était assez intense, ouais. Et à un moment, tu joues ou... Bah là, vu que c'est le mode solo, je pense qu'on va avoir vraiment une petite cinématique d'intro qui pose un peu le personnage, etc. Aïe, écran Windows qui a planté derrière. Donc toi, t'es du genre, quand tu joues à un Baldur's Gate, etc., dès qu'il y a des dialogues... Ah, moi je passe Escape, vas-y, ta gueule, je tapais des monstres. Jusqu'au premier fight, et là je suis... Ah, mais oui. Il n'y avait pas le FC Montargis, bah... Non. Non. Moi, par contre, j'ai pu naître à Montargis, mais sinon, ça sert à rien. Oh là, cette neige, oh la beauté de la neige. Bon. Regarde ça. Oh là 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 là. Alors, on te demande si tu regardes les matchs et que tu suis le sport. Oui, bien sûr. Bien sûr, je suis la NFL. Je la suivais étant plus jeune. Quand j'étais gosse, dans les années 90, par là, j'étais fan des Dolphins. C'est un jeu de ski en fait. Ouais. Et après, comme c'est devenu très compliqué, c'est passé de mode en France, donc c'est devenu très compliqué soudainement de regarder les matchs, donc j'ai arrêté à cause de ça. Et il y a 4-5 ans, en fait, je me suis dit, bah tiens, et si je me remettais, je pense que maintenant avec Internet, ça doit quand même être beaucoup plus facile de trouver les matchs. Et effectivement, en fait, on peut payer le Game Pass sur le site de la NFL, qui nous donne accès au site web, en fait, où on a. C'est un peu comme YouTube, quoi. Alpha Blue me demande si t'avais des cheveux à l'époque. Ah oui, j'avais plus de cheveux à l'époque. Hein. À une époque, j'en ai tellement que je devais les gominer pour les tenir en place. Maintenant, c'est fini. C'est pas gentil. C'est pas très gentil, ça. Et en fait, sans vouloir aller dans... dans du shitstorm foot versus NFL et compagnie, enfin, faire des... Qu'est-ce qui t'a plus plu, finalement, dans ce sport que... Bah, pourquoi tu regardes pas le foot français, quoi enfin, pourquoi? Parce que déjà, les Américains ont beaucoup de défauts, mais ils ont cette qualité de
En fait, quand ils organisent des matchs de sport, en fait, ils organisent ça comme des vrais shows. C'est-à-dire que quand tu regardes un match de foot, par exemple, bah, c'est des mecs qui vont courir après. Tiens, on me redemande. Ah non, on me demande qui je déteste. Qui je déteste ? Tu détestes qui, Monsieur Chat ? Mais j'aime tout le monde, moi. Je déteste personne. À vous choisir. LSU, je sais pas qui c'est. Allez, LSU. Déjà, il y a ça qui me plaît. Le foot US aussi, alors, c'est vrai que c'est long, en fait, parce que c'est assuré. C'est-à-dire que c'est une action, on arrête l'action, on se remet en place, on refait une action. First name ? Superstar. Non, ça va pas le faire. Ça peut être possible. Eh ben, on va l'appeler... Arnold. Mike Arnold. Voilà. Et donc, en fait, donc, ce côté assuré fait qu'il y a toujours déjà des temps de pause entre guillemets qui permettent au mec de se reposer. Et surtout, en fait, du coup, chaque action est jouée à fond. C'est pas comme du foot, par exemple, où des fois, tu vas avoir des mecs qui, pendant 5 minutes, vont faire des passes, taper dans le ballon, il va rien se passer, etc. Et puis d'un coup, oh là là, il y en a qui commence à courir vers le but, et là, ça y est, ça commence enfin à se réactiver. Là, chaque action, les mecs sont à fond, et potentiellement, à chaque action, tu peux avoir un mec qui rentre dans un autre et qui l'éclate, tu peux avoir une passe spectaculaire. Enfin, il y a vraiment à chaque action, tu as toujours un potentiel de quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que. Ouais, allez, on va rester en strong arm, c'est pas mal. Alors non, pas le temps, non. Les coupures pub, il faut savoir qu'il y en a de moins en moins dans la NFL. Ça fait 2 ans à peu près là qu'ils sont en train de réduire le temps qui est alloué en fait aux publicités pour justement éviter les coupures et tout, parce qu'en fait ça fait littéralement chier les gens maintenant. En fait le foot américain c'est un sport en tour par tour. Non mais c'est ça en fait. Hein. C'est pas mal. T'as beaucoup de gens qui résument le foot américain en disant c'est du rugby mélangé avec un jeu d'échecs. C'est-à-dire qu'à chaque action, okay, t'es obligé de réfléchir, de regarder le positionnement des mecs en face, et toi de définir ta stratégie par rapport à ça. Et à chaque action, tu peux swipe les équipes. À chaque tu me disais que t'avais des équipes qui attaquaient, qui étaient spécialisées plutôt attaque, défense. Bah, tant que t'es en attaque, t'es en attaque. Ça, ah d'accord, mais non, t'as des phases en fait où voilà, t'es en attaque. Tu verras quand on jouera, ce sera plus clair. Ok. Mais oui, donc t'as littéralement des phases. Par contre, voilà, après chaque action en fait, à chaque down, comme on appelle ça dans le jeu, côté attaque, tu vas avoir de nouveau ce qu'on appelle un huddle. Tout le monde va se réunir, ça va discuter, le coach va transmettre au quarterback son plan de jeu. Le quarterback va expliquer à l'équipe ce qu'ils attendent d'eux. Et voilà. Ça y est, ça commence ! Non, ça commence pas. Non, là pour l'instant c'est un warm-up, on dirait. Mais quand est-ce que tu vas jouer ? Donc là, tu vois, on va attendre t'expliquer un peu la base. Ouais. Donc là, une petite passe tout simplement. Ok. Ça, j'aurais pu y arriver. Ouais, je pense aussi. Ouais, c'est intense. Ouais, je suis pas super excité là. Mais y a personne dans les gradins, tout ça. Enfin, ouais. Tu vois, t'as pas de public. Moi, toi, en fait, l'intérêt de ce mode de jeu, c'est qu'en fait, on te fait découvrir gentiment la façon dont joue Madden. Parce que Madden, c'est un jeu quand même qui est très compliqué parce que ça fait des années que c'est des patchs sur des patchs sur des patchs, avec des ajouts de contenu petit à petit, etc. Et c'est vrai que maintenant, quand tu arrives, tu as une pléthore de choses à comprendre. Et donc, ce qu'on appelle la grammaire du jeu, c'est-à-dire la façon dont tu vas interagir avec la manette vis-à-vis du jeu, elle est devenue extrêmement complexe. Parce que selon si tu es en attaque, en défense, que tu fais un kick, un punt, que tu es en train de courir, de recevoir la balle, etc., les touches font des choses différentes à chaque fois. Quoi. On me dit que c'est plus lent que Derrick. Faut que tu accélères un peu. Je pense qu'il y a un message clair qui a été posé sur le chat. Donc tu vois, là, on est en train de te faire des petits exos pour t'expliquer comment fonctionnent les différentes... Bah, t'apprends la grammaire, comme tu dis, quoi. C'est ça. Alright. Ah, oui, c'est vrai. Il y a ce putain de...
Alors, justement, on parlait de la grammaire. Non, mais justement, on parlait de la grammaire. Jusque-là, Madden, vous aviez trois façons de faire des passes. Eh, hey, merci, Oli. C'est-à-dire que quand vous devez faire une passe avec le quarterback, merci, Oli. Lorsque vous voulez faire une passe avec le quarterback, en fait, soit vous maintenez le bouton. En gros, quand vos joueurs se dispersent, vous avez toujours 2-3 joueurs avec les boutons des manettes qui vont s'allumer, en fait, pour vous dire, attention, ta joueur est démarqué, tu peux lui envoyer la balle. Le truc, soit tu maintiens le bouton qui correspond au joueur, et dans ce cas-là, tu as une passe rapide, donc qui est basse, mais qui est puissante et qui va vite dans les mains du joueur, donc s'il est dégagé, c'est parfait. Si tu tapes une fois le bouton, ça fait une passe lobée, donc qui est beaucoup plus lente, mais qui part plus haut, donc s'il y a des mecs entre toi et lui, c'est comme ça qu'il faut faire. Et tu as la touch pass, en fait, normalement, tu appuies 2 fois sur le bouton, et lorsque tu fais ça, en fait, c'est une passe semi-lobée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rapide, elle n'est pas lobée, elle est juste entre les deux. D'accord ? Ok, super. Comment ? C'est génial. Ah, je suis à fond. Mais fais mal parce que tard, tu vas jouer. Hein, c'est trop génial. Franchement. Je te suggère d'écouter un minimum. Non, mais la passe semi-lobée, là, c'est bon, tu m'arrêtes. Ouais. Ok. Et donc, le truc, c'est que cette année, les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, bah tiens, tu sais quoi, le pump fake, on va le rajouter et on va faire en sorte que quand tu appuies 2 fois sur le bouton de la touche, ça fait le pump fake. Alors, pump fake, c'est quoi ? Tu vas me dire ? C'est en fait quand tu fais semblant de faire une passe. Ah, fake. Ouais, pump fake, ok, d'accord. Tu pumpes. Et en fait, non. Voilà, lol. Exactement. MDR. Et du coup, c'est super chiant parce que quand tu appuies 2 fois trop rapidement sur le bouton pour faire une touch pass à un joueur, tu fais une fake. Tu fais un pump fake, t'es comme un gond, t'es là, et puis en plus, du coup, tu t'énerves. Oui, bon, t'es perturbé dans tes habitudes de jeu. C'est super relou, voilà. Et j'ai pas compris pourquoi ils ont changé la grammaire à ce niveau-là. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas trop l'air de comprendre non plus. D'accord. Visiblement, chez tous les PGM et tout le tralala, on a l'air de nous expliquer que, mais si, mais en fait, c'est super important et tout. Mais le problème, c'est que si c'est un changement qui ne fait plaisir que aux. Qui fait plaisir que aux mecs qui jouent 80 heures par semaine. Ah ouais. Je suis pas sûr que ce soit un bon changement, quoi. Eh, hey, merci, Midmax. Eh, hey, cool. Madmax. C'est comme ça que je prononce. Hop, voilà, nickel. Parfait. Franchement, putain, mais tu gères. Nickel. Donc là, on va faire une boulette passe, donc toi, je te montre. Vas-y, ouais. Maintien B. Ouais, vas-y, maintien voilà, B. Ouais, ok, ok, d'accord. Là, on dit, tu fais un pump fake. Donc, du coup, vas-y, tu double tap. Double tap A. Voilà. On y va. Tu vois. Et là, t'as. Voilà. Là, j'étais un peu plus lent, donc à la fin, il l'a envoyé quand même. Au début, t'as vu, il faisait ça. Hein, parce que j'étais trop rapide. Ouais. Tu te foutais de ma gueule quand je jouais à WoW. Ah bah c'est... Pour moi, c'est... Dans sa complexité, le jeu... Bien sûr, c'est pas le même genre de choses, on est d'accord. Mais on est d'accord que le truc... J'ai sorti les rames. C'est aussi compliqué, voire plus compliqué qu'un World of Warcraft pour moi. Pas trop dur, la défense, ça va Là, ça va. Là, ouais, c'est... Je pense qu'on peut faire un petit 40-0 sans trop de soucis. Blague. Humour. Ah. C'est con, on ferait faire... Il faut un petit bruit quand on fait des blagues... Ça, les gens ils comprennent. Boudat. Donc, ça c'est pareil avec les gâchettes. Si tu maintiens la gâchette haute pendant que tu fais une passe, ouais, tu fais une passe haute, ouais. Tu fais la gâchette basse, ouais. Tu fais une passe basse. Ouais, pas con. Voilà. Mais le truc, c'est que ça pareil, encore une fois. Mais ceux qui sont en souris inversé, ils sont niqués du coup. Tu penses aux souris inversées. Mais le truc par contre, c'est que pour ça, il faut savoir à peu près à qui tu envoies la balle. C'est-à-dire que si tu envoies un receveur qui est plus petit, ça sert à rien de faire une passe lobée parce qu'il va galérer pour l'attraper si les autres sont plus grands que lui. Parce qu'il est petit. Voilà. Donc faut être à peu près, faut connaître tes joueurs, connaître tes mecs d'en face et dire tiens, lui ce receveur, je sais qu'il est plus grand que le mec qui le couvre. C'est un peu discriminant pour les joueurs petits quand même. Ouais. Bah c'est chiant. Donc là on apprend à courir. Voilà. Ah merde, bon. Vous avez l'impression que je m'emmerde. Ah ça va pas du tout ça. Non, mais je m'éclate à fond. Non, mais c'est. En même temps, il est même pas en train de jouer, il fait même pas une... Il fait même pas une game, donc c'est pas très excitant pour l'instant, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, si ça démarre pas après ça, je pense que je vais lancer un vrai match, parce que là, ça va pas être super fun. Bon, je sais pas pourquoi, mais il y a Lini Rokai, il veut vraiment que tu en mettes une, mais on va se calmer quand même. ou sinon, on peut faire un concours. Je peux essayer de le pousser à bout. Toi, là, petit sérieux, continue. Mais voilà. je fais super, ça compte de l'argent. Ouais, t'as trop bien lancé la balle, mec. Ouais, bravo, vas-y, toi aussi. Ouais, cool. Ouais. Oh là là, génial.
te connais son indice, si jamais tu es seul à l'arnaque avec chose, donc si jamais tu lui arrives, il y a un truc, ce sera un accident et notre petit secret. Oui, ce sera notre petit secret à nous et aux 100 personnes qui regardent le streamer. Ah, on a perdu des téléspectateurs. Tout à l'heure, on était à 101, 102. Ah bah, je pense qu'on va finir à 3 ou 4. Hein, ok, ouais, non, mais j'aime bien quand ils croient. Ouais. C'est ça, c'est... Mais c'est grâce, mais c'est grâce en fait à cette culture, tu vois. Tu sais que quand j'ai 3 ou 4, c'est la gagne. Hein. Mais nous, on se regarde pas. Enfin, sauf quand je tourne la tête. Ouais, quand je tourne la tête. Bon. Alors, bah, moi, je suis d'accord avec le coach parce que je suis un putain de faillot. Voilà. En même temps, tu viens d'arriver, tu t'intègres, c'est pas con. Ouais. Mmh. Ouais. Personality, leader plus. Ouais, trop bien. Oh yeah. Donc, toi, pareil, t'as tout un tas de petites stats et tout. Enfin, en gros, ton personnage, selon tes choix, t'as une XP. Tes résultats match, etc. Voilà, il va progresser. Et il va donc se spécialiser d'une certaine façon, etc. Et en gros, le mode Face of the Franchise consiste à jouer ce personnage et le développer un peu comme dans un jeu de rôle, en fait, quoi. C'est passionnant. Je suis un balle. Je suis trop un balle. Tu vois un peu l'espèce de mou qui fait là le personnage. Ouais, c'est ça, aussi. Ça représente un peu mon état intérieur, tu vois. Non, on peut pas s'injecter des stéroïdes aussi. Faut savoir qu'il y a des contrôles antidopage extrêmement sévères en NFL. Ah ouais. À tel point des fois que t'as des mecs qui se font sortir juste parce qu'ils ont pris des suppléments, tu sais, comme quand tu prends quand tu fais des exercices là, ouais. Des protéines, etc. Ouais. Et des fois genre t'as des trucs qui genre ont des doses infimes de machin truc et tout tralala. Ils se font sortir. Et les mecs ils sont topés, c'est non, même ça tu cherches pas. D'accord, donc ils sont hyper hyper exigeants par rapport à ça. Là, ce regard mort. Ouais, il a... Bonjour, je vais dévorer votre âme. Non mais c'est clair qu'il a l'air mort à l'intérieur. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de jeux, sans déconner, dont les personnages ont des regards vivants en fait. Ouais. C'est ouf, hein. C'est un truc que les développeurs n'arrivent pas à gérer ça. Bah c'est peut-être pas simple. Je crois que un des derniers pas simple à produire, en fait. Qui a à peu près réussi, c'était Mortal Kombat 11 et son prédécesseur là, avec les comics, qui s'appelait comment déjà ? Injustice 2, je crois, 2 ou 3. Ouah ! Ça y est, ça commence. Alors, les connaisseurs, vous serez ravis de voir que le problème du stade qui rame quand on a envie de plonger comme ça, ça n'a pas été réglé. Merci IA pour ce travail. Pas obligé de crier. Hein. Formidable. Ouais, ils t'entendent même si tu cries pas. Ça m'énerve. IA, par contre, ils s'en foutent en fait. Ils sont pas dans les 100. Ah, 103. Ouais, mais IA, ils sont venus voir. Ouais. Ça a cassé la gueule à la sortie. Là. Ouais, on est chez les Gators. Bon bah cool, du coup, toi, t'as un vrai match là. Donc là, du coup, hop là, faut qu'on. Ça y est, ça a commencé là. Allez, non mais. T'as cressé là, toi. Il faut me prévenir là. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le kick d'engagement. Donc en gros, on a dégagé la balle et eux l'ont reçu. Donc c'était les deux special teams de chaque équipe. Et l'objectif était d'essayer de les empêcher de remonter le plus haut possible. On peut mettre un genou à terre pendant les limites de l'US ou pas? Non. Ah, bon, désolé. C'est pas vraiment un jeu de rôle. Hop, 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 reste là. Vas-y, 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 vas-y. Allez. C'est toi? C'est ton personnage? C'est... C'est l'équipe adverse. Ah bon? Ouais. C'est marrant parce qu'on sent justement qu'on n'est pas en NFL parce que les joueurs courent plus lentement, ils font plus d'erreurs, sont plus pataux, etc. etc. On va faire un dot par la gauche. Donc toi t'es les jaunes. Ouais. Donc là pareil, tu vois. Tac. Alors ça c'est très rare hein, d'arriver à bloquer la balle. Elle a été bloquée là? Ah non, ouais, d'accord. Comme je dis, c'est très rare d'arriver à la bloquer. Donc là du coup. On va partir en offense, donc là toi ils dégagent la balle. Ouais, c'est bien rendu, c'est pas mal. Hein. On essaie de la choper, et là le but voilà, c'est d'essayer de remonter le plus haut possible. Bam. Ah c'est cool. Donc maintenant qu'on a fait ça, là on va passer en offense. On va avoir 4 essais pour faire 10 yards. Et tu peux faire des trucs méchants, tu sais, des trucs un peu cheesy, un peu gris. Tu vas taper. Non, c'est pas le football. Hein. Mais même un petit peu. De quoi? Mais un petit peu. Mais donc du coup tu te fais jamais reprendre par le par l'arbitre aussi. Par l'arbitre. T'as des fautes qui sont générées dans le jeu en fait. Générées, d'accord. Ouais. Mais qui sont pas de ta personne, tu vois. Non. Alors ça peut arriver, c'est-à-dire que genre si tu. Oui, si tu fais un truc technique bête. Si tu passes la ligne là, par exemple, avec oui, un là, joueur, t'as une faute technique. Défense, t'as une faute et donc tu donnes des yards à l'équipe adverse. Mais tu peux pas genre donner un coup méchant et prendre une faute, non. Un truc comme ça. D'accord. Alors, donc là voyons voir. Ouais, allez, on y va. C'est un jeu de boy scout quoi.
Putain, je... enfin, bon, c'est sport américain en même temps. Wow, pop, pop. Donc tu vois, on a avancé de, je crois, 5 ou 6 yards là. 5 ou 6 yards. Yards, yards. Et du coup, tu es obligé de parler en yards. Donc là, tu vois, mais il tu sais pas ce que ça veut dire qu'il reste un français. Donc toi, là, on parle en yards. On est en down, il reste 2 yards à parcourir. Ah oui, 2 yards. Si, et si on arrive à franchir. Oh, si on arrive à franchir ces yards, dans ces cas-là, on repart de nouveau avec 4 down. Et dans ma main, il y a combien de pieds? Et dans celle-là, tu vas prendre dans la gueule, il y en a combien? Alors. Ah, on. Sectaire trouve que Blood Bowl 2 est plus joli. Ouais, c'est ça. Hop, nickel, c'est passé. Il a pas entendu. Je pense que son cerveau n'a non, pas voulu. Blood Bowl 2 est pas plus joli. Alors, vraiment, faut pas exagérer, les gars. Ah, on me dit qu'il n'y a pas une seule meuf dans les tribunes. Tu les as regardées, oui. Bah, je sais pas, ouais, non, mais c'est intéressant. Dans les tribunes. Ouais. Comment t'arrives à voir dans les tribunes qu'il y a? Bah, à un moment, il y a des plans où tu dois voir les mecs de plus près, quoi. Bah, je crois pas, parce qu'en plus, les persos sont assez dégueulasses dans les tribunes en général. Bah, j'ai l'impression qu'il y a deux persos en fait. T'en as un bleu et un blanc. Ah, on a quelqu'un qui a été étudiant en Floride. Ah. Donc, on a un expert. Étudiant en Floride. Eh ben, bah, j'ai l'air que Vega, j'espère que t'as ramené les casquettes des équipes. Ah, bah, t'as ah si, si, il y a des meufs. Enfin, deux. Ah, oh, si, il y a des meufs. Trois. Hein. Bah, ouais. Si, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Ah, si, il y en a. Bah alors. Bah alors. La drogue, c'est mal, hein. Bah alors. Et en fait, ouais, ce qui est marrant, pareil, quand on voit justement le public aux US, c'est que dans les. En fait, c'est très familial. Il y a vraiment, quand tu compares ça au foot qu'on a, nous, en Europe, et ce genre de choses. Hop, 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 il n'a pas plus loin. Bam, arrêtez, et voilà, c'est comme ça que ça se passe dans l'équipe de Cannes. Quand tu compares ça au football et ce genre de choses, il y a énormément de femmes en fait dans les gradins de la NFL. Et ça, c'est cool. Et des enfants, enfin, c'est oui, des enfants, ouais, c'est. Alors après, pareil, t'as toujours des gros bourrins qui vont se taper dessus à coups de poing, qui vont se saouler à la bière, etc. Ça, c'est du sport qui peut rien. Mais dans l'ensemble, quand même, c'est pas genre comme quand t'as un OM-PSG en France, avec une grille qui sépare les supporters des deux équipes pour pas qu'ils se tapent dessus, tu vois. Ah ouais. Solide. Allez, 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 allez. Non, ça va pas le faire. Cannes, mais sans déconner. Alors, elle est pas belle celle-là? Hein? Pas belle? Elle est pas belle celle-là. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Mais bah, t'as perdu là? Non, on a marqué un touchdown, non? On est Florida, nous, hein, je te rappelle, on est les bleus. Ah, mais tout à l'heure, je t'ai demandé si vous étiez les jaunes. Et tu m'as dit oui. Non, je t'ai dit non, t'as dit qu'on est pas un touchdown. Bah, oh. Si tu m'écoutais plus, c'est que tu foutais moins de ma gueule. Bah, non, mais, bon, mais, non mais, mais toi, tu m'écoutes. Attends, je t'ai demandé si vous étiez jaune, tu dis oui. Tu m'écoutes plus comme avant. Vous êtes bleu ciel. Alors, excuse-moi, mais. Donc, tu vois, attends, je donne ces 6 points, et quand tu marques en plus comme ça un field goal, c'est un point supplémentaire. Mais tu peux tenter, dire que tu n'as pas ce field goal, ouais, tu retentes de mettre un touchdown. Ouais, vas-y, essaye. Et auquel cas, retente. T'auras 2 points. Non, j'ai mis un field goal, je ne vais pas prendre de risque pour ça. Tu tentes 2 points quand vraiment ça vaut le coup stratégiquement. Ouais, Chino 457 confirme que c'est un public ultra familial, un foutu S. Mm. T'as peut-être raison. Ça a été confirmé sur le chat. Donc tu vois là, il a mis un genou à terre. Mais il est parti sans le ballon. Mais en fait, ce qu'il a fait, c'est que comme il est parti de trop loin, ouais. Il a mis un genou à terre dans ouais. La zone d'en but où il a reçu la balle. Parce comme qu'il y avait Dean Américain. Il démarre à 25 yards. Non, c'est plus bien. On demande si c'est 4 phases max pour envoyer la balle en face. Oui. Sauf si, encore une fois, on dépasse les 10 yards, auquel cas tu récupères de nouveau des... 10 yards et qui va en mettre. Allez, allez. Il est pénible en quarterback, même sous pression, il lance bien. En fait, non. Vous avez droit à 4 essais, et en fait c'est au 4e essai, en général, que la balle est dégagée pour s'assurer que on prend pas de risque si on n'a pas fait les 10 yards. Donc c'est pour ça que souvent, au 3e essai, on considère que c'est un peu le dernier, même si c'est pas... Je suis en train de tomber. Après. Le mec trop frustré, il sait. Allez, là, je vois que ça envoie beaucoup la balle, on va essayer de faire une couverture un peu plus velue. Oula, là, ça commence à rentrer dans les détails, mais ça y est, je comprends plus rien. Non, c'est 4 pour 10. Mais dans 90% des cas, la quatrième tentative, c'est un dégagement. C'est ça, tout à fait. Tout à fait, non, c'est ça, ouais. Absolument, bien sûr, mais oui. En même temps, c'est la base, quoi.
Allez, on va faire un blitz. C'est quoi la règle pour finir la phase de jeu? Faut que le mec tombe, le ballon touche le sol? Pour finir un enjeu, en fait, il faut arrêter le joueur ou que la balle soit considérée comme perdue. C'est-à-dire que tu envoies la balle, par exemple, à quelqu'un qui ne l'attrape pas. Bah, dans ce cas-là, là, par exemple, on a arrêté le coureur. Là, l'action s'arrête. On va reprendre. S'il avait fait une passe, par exemple, et que la balle était passée à côté, que personne ne l'avait attrapée, on arrête aussi. C'est un down de perdu. Donc, tu vois, là, on est au troisième down. Il reste 6 yards à parcourir. Donc, ça devrait être assez chaud pour eux. Je vais tenter un blitz avec une couverture aérienne. Ça devrait normalement permettre de... Alors, pas le temps, non. Le consultant qui n'y connaît rien, c'est moi. C'est moi aujourd'hui. Donc, désolé, la place est prise. Le ciel brûle nous dit qu'il y a de latence. Il y a une latence gênante au moment de lancer du quarterback et au moment de la réception de la balle. Il dit que ça perd très fluide. Alors, en jouant, je ressens absolument rien. Donc, je sais pas si c'est... Ah, c'est peut-être le... C'est peut-être ce que vous ressentez en regardant... à l'écran, parce que moi en tout cas, à mon niveau, j'ai aucun souci, moi. La mise à part le lag quand t'as des plans général sur le public, quoi. Oh putain, il s'est fait éclater. Et il y a des fois des joueurs qui se font blesser, ouais. Des trucs comme ça, ouais. Ça arrive. C'est généré aléatoirement. Ah, c'est pas aléatoirement, souvent c'est après un contact. C'est quand il y a une grosse pression. Je pense que quand il y a un contact qui est un peu violent, ouais. Le jeu fait un check en arrière-plan, et puis des fois il y a c'est cool. Tiens, lui il s'est niqué le genou, lui il s'est fait une entorse, machin, etc. Et puis il dit bon bah voilà, on va le sortir pour X temps. Et après c'est marrant ce qu'il te demande quand t'as le bilan du médecin, si le joueur, bien sûr, si s'est pété les ligaments croisés, il va pas revenir jouer. Mais genre, il s'est fait une entorse à la cheville, ouais. Puis ils vont te dire, bah tiens, il peut revenir jouer, on estime qu'il a 50% de chance d'aggraver sa blessure s'il joue. Est-ce que vous le gardez sur le terrain ou pas? Ouais. Ok. Interception. Voilà. Et du coup, toi qui regardes des matchs réels, est-ce qu'il y a des éléments qui différencient vachement le jeu au niveau réalisme, enfin des trucs qui t'ont marqué? Franchement, moi j'ai trouvé ça plutôt propre, ouais. D'un point de vue strictement réalisme. Ça bouge bien, vraiment, on voit la façon dont les animations sont gérées, là c'est un moteur qu'ils ont amélioré petit à petit avec... Et la façon dont les matchs se déroulent par rapport à un vrai match. Les scores sont vraiment propre en fait, c'est vraiment ce que tu vois quand tu regardes des matchs. À moins bien sûr que tu joues en mode débutant total, avec le mode action, poète, etc. Là, dans ces cas-là, effectivement, tu peux finir avec un score complètement débile, genre 70 à 40, mais je pense qu'à part les enfants, personne ne joue comme ça, quoi. Ne pas jouer sans les ligaments, c'est vraiment une chouchette. Bah, tu peux jouer sans les ligaments. Oui, après tout, ça sert à quoi. Même sans jambes. Tu te mets des petites roulettes et c'est bon. Hein. Parce qu'après tout, j'ai un quarterback avec un bras fort. Ce serait dommage. On demande si les graphismes sont à fond. Oui. Oui, ils sont à fond. Parce que DICE 166 trouve que c'est pas transcendant au niveau des détails visuels. C'est vrai que c'est. Bon. De près, pas extraordinaire. De près, quand même, c'est plutôt propre. Quand tu commences à zoomer, que tu vois les couleurs de sueur sur la peau et tout, c'est... C'est vrai que de loin, bon, c'est... Mais en même temps, c'est lisible. Ouais, bah ça c'est tout le principe du truc, il faut que ça reste lisible, malgré tout. Et on demande s'il y a autant d'arrêts de jeu dans un match en vrai. Oui, ah oui, complètement. Complètement. Et encore là, c'est pareil, hein, c'est accéléré. Ah oui, les arrêts sont accélérés. Merde, c'est pas ça. Ouais, en fait, là, les arrêts sont accélérés, c'est-à-dire que quand j'ai pris ma décision, toi, en fait, t'as 40 secondes après chaque down pour prendre une décision. Ouais. Et tu vois que là, quand je vais prendre ma décision, bam, ouais, le chrono, il descend. Ouais. Alors que dans le jeu, bah, quand t'es face à la déloche, t'attends. En 40 secondes. Ah, d'accord, okay. On te demande s'il y a de la destruction de décor. Et une connerie. On discutait, j'ai pas fait j'ai sélectionné les mauvaises options. J'ai sélectionné un fake. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, Canlust. Et du coup, il récupère la balle. On excuse les erreurs. Ah là, je vais prendre un. Si je me reprends, attends, je donne là. Tu vas te rattraper. Ouais, il y a intérêt. Oh oui, il y a intérêt. Ah, je voulais pointer et j'ai pris la mauvaise option pour qu'on peut poter. Allez, reste là, ça. Ah, on dit que ça doit être encore plus chiant que le baseball à regarder. On peut le ban ou... Oui, je pense. Ouais, je sais pas, c'est comment on ban. Je pense qu'une telle hérésie ne sera pas tolérée dans mon chat. Hein. On demande à ce qu'on change pour Blood Bowl, par contre. Et Blood Bowl, je pense par contre faire un stream un jour.
faire un stream sur le long cours en fait. On suivrait une équipe, etc. Et voir un peu la. Voir un peu la progression, les blessés, les star players qui se développent et tout. Pour Blue Bowl, ça peut être très marrant. Parce qu'en plus, c'est rapide. Moi, je joue Blue Bowl, c'est quoi? C'est une demi-heure à peu près. Mais sur le coup, moi, je connais pas du tout Blue Bowl. Donc, je connais visuellement la différence avec ce jeu. Mais sinon, est-ce que concrètement, il y a des grosses différences finalement? Ou c'est plus une version juste stéroïdé et un peu déglingos? Le Blue Bowl, clairement, c'est stéroïdé, déglingos. Oui, oui. Par contre, t'as pas ce système de 4 donnes, etc. En fait, c'est une action continue Blue Bowl. Ah, c'est d'accord. C'est tour par tour. Oui. Par contre, quand un joueur en fait, perd la balle, les équipes restent en place, etc. Et tout le monde se tape dessus. T'as une équipe de chaque côté et en fait, on joue la balle un peu comme au rugby, quoi. D'accord. Et par contre, ils ont gardé ce principe de turnover qui est issu du football américain. Arrêtez-le ! Voilà, bien les gars. Ils ont gardé ce principe de turnover comme on a là, toi, c'est-à-dire que quand il y a une action qui échoue dans Blue Bowl, tu passes ton tour à l'adversaire. Et en fait, l'intérêt dans Blue Bowl, c'est d'essayer de prioriser ces actions en commençant par celles qui ont le plus de chances de réussir et pour petit à petit faire des actions qui ont de moins en moins de chances de réussir. Mais est-ce que c'est moins technique quand même? Le gameplay est un peu plus. Comparé à ça, c'est du pitch. Hein, d'accord, ok. Même si Blue Bowl, ça reste quand même un jeu un peu technique, il demande un peu de cerveau, etc. Ça reste un jeu au tour par tour. Le chat est plutôt enthousiaste au fait que tu joues à Blue Bowl. Très bien. Je note. Ils sont même demandeurs de conseils. Tu vois là par exemple, les fautes que je pouvais faire volontairement, aller avec mon joueur, je pouvais aller taper le kicker. Et si je rentrais dedans, bah c'était une faute. D'accord. Oui, donc tu peux quand même délibérément faire des fautes. Ça peut parfois t'avantager, je sais pas. Avantager, je pense pas. Pouah. Oh, 4 mecs sont allés comme des balles. Bon, ça va, 25 yards. Est-ce que la sensation de l'impact des mecs qui se rentrent dedans et tout, est-ce qu'il est bien rendu par rapport à la télé ou... Là on n'entend pas trop. Ouais, non, mais quand les mecs se rentrent dedans, t'entends les mecs super... en train de gueuler parce que ils sont compressés quoi. Donc t'as un bon feedback de ces sensations là dans le jeu quoi. À ce niveau là franchement, et surtout quand tu commences à maîtriser le stick quand tu viens pour pas mal. En fait, c'est-à-dire que quand tu arrêtes les joueurs en défense, tu peux utiliser les boutons pour faire des gestes techniques. Du genre, tu utilises le Y pour faire ce qu'on essaie de faire un strip, c'est-à-dire attraper la balle et l'arracher du joueur. Tu peux faire un X pour vraiment le prendre et l'immobiliser. Enfin voilà. Mais tu peux aussi utiliser le stick. Et le stick, en fait, ce que ça va faire, c'est que tu vas arriver face au mec et bam, tu vas le pousser en fait. Mm-hmm. Et ça, si ça marche, c'est très bien. Mais ça a aussi une chance d'échouer. Et si ça échoue, en général, le mec continue de courir quoi. Donc c'est plutôt gênant. On me demande si quand est-ce que je compte streamer. C'est pas vraiment prévu. Je peux effectivement, j'ai quelques jeux de prédilection. Je pourrais streamer, mais rien de prévu pour l'instant. Un stream de mise en page, ah non, pitié. Puis le stream de mise en page, ce serait plus Toto. Ah, j'ai un souci capillaire en ligne. Ah, dommage. J'étais pas loin. Stream coiffure. Donc là, tu vois, il reste 25 secondes. Donc là, je vais. Ah putain, tenter... c'est super excitant, il reste 25 secondes, mais c'est de la folie, non, mais il y a une pression de malade. Can Lust. Je vais tenter le Can Lust. On va voir. Hein. Tiens le jeu là. Putain. Vas-y. Ouais. Non, ça passera. Putain, Can Lust, mais tu. Tu gères jamais la pression sur les derniers moments, c'est ton problème. Tu le sais. Mais toi, ça passait, c'était beau, comme on dit en moto. Ouais, ça passait, c'était beau. Hein. Ouais, ok, on mettra ça sur ta pierre tombale. Ah oui, ça, je pense. Hein. Ça passait, c'était beau. Parce que le jour où je me tue en moto, c'est ce qu'on mettra sur la pierre tombale. Donc là, 17 secondes. Et après, on aura fait le second quart-temps, donc on sera à la mi-temps. Mais c'est pas fini? Non, il reste... 15 secondes. Putain. 15 secondes. Can Lust. Tu peux renverser la partie en 15 secondes. Ah bah là on arrive à la mi-temps après, t'inquiète pas. Non mais t'as dit qu'il restait 15 secondes. Ouais, 15 secondes avant la mi-temps. Oui, j'ai dit que tu écoutes pas en fait.
Avant la mytho, mais on s'en fout. On tournera plus comme avant. Ouais, bon, mais il reste 15 secondes avant la pause bière. Voilà, c'est ça, la pause bière. Bon, bah, mon excitation est retombée. J'en ai plus rien à foutre. Vas-y, allez, fais n'importe quoi. Tiens, comme d'habitude. J'ai eu un coup de stick là, t'as vu comment il a fait. Ouais, ouais, voilà. Bah, c'est... Mais c'est ça, c'est. Voilà. Quand la pression redescend, merde. Ça y est, monsieur devient. Ah merde, on n'a pas accès. Ah, dommage. Qu'est-ce que tu fous? Bah, en fait, quand tu joues un match normalement, dans le mode de jeu de base, t'as accès à des options quand tu mets pause, notamment contester des fautes, des choses comme ça, et t'as accès aussi au replay. Mmh. Ah oui, pour revoir une action que t'avais fait. Et du coup, pour revoir une action, j'ai envie de te montrer le mec qui s'est fait déglinguer la tête. Ouais, ouais. Et visiblement, en mode solo, comme ça ne marche pas. Tant pis. Quelle tristesse. Donc là, on est à 10 à 7, c'est ça? Ouais, 10 à 7. Ils sont 3ème down, il en reste 7 yards à parcourir. Allez, reste là. Mais t'as vu, ça bouge bien, je trouve, hein, au niveau des animations. C'est pas trop mal. Il faut savoir que les animations sont... Je vais pas dire procédural, mais sauf c'est le pas public loin. Qui est ouais, public, finit l'urine de cheval. Voilà. Le public, je sais pas pourquoi ils sont dessus. De loin, le public, ça va. Ouais, alors, de vraiment, près, vraiment loin. Pff, putain. Ok, en plus, le punter a foiré son punt. Ça peut être long 15 secondes en foutu S. Ah oui, complètement. Hein. C'est... Et en plus, quand vous... Half-time. Quand vous arrivez sur des gros matchs, avec des enjeux, Yuki Banane. Que les mecs ils commencent à claquer les temps morts en fin de partie pour essayer de ralentir l'équipe adverse et tout. Ouais, des fois, genre vous avez 25 secondes au compteur et vous passez genre 10 minutes. Alors bah voilà, c'est de ma faute. Il est pas content. Ouais, forcément, le coach est pas content. Tu te fais défoncer la gueule, mec. Bah, au moins, il aura une bonne raison de faire son regard de chien battu. Voilà. T'as mis l'autre, il a une tumeur à la gorge ou quoi? Il est en phase terminale, le mec. Putain, c'est la joie, ton jeu, quand même. C'est ça, un peu. Ah, il y a de la gaulerie, hein. Grosse Allez, gueule. Retour par la gauche. C'est nickel, parce qu'ils envoient à la gauche. Oh là 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 là, comment t'as récupéré le ballon. Boum. Bon, ça sera pas un très bon tour, ça, je crois. Oh, quoi que, si, 22 yards, bon. C'est pas une catastrophe. On trempe dans le slip. On va essayer de faire un play action. On demande comment ça marche la progression de ton perso. Plus tu fais un gros score avec l'équipe et plus ton perso fait une grosse progression dans l'histoire. Ah, je t'ai posé une question, Gavis. Non, parce que j'étais concentré et j'étais pas tombé. J'ai fait une bêtise. On s'en fout. Tu me disais quoi? Ça marche comment la progression de ton perso? Plus tu fais un gros score avec l'équipe et plus ton perso fait une grosse progression dans l'histoire. Oui, un peu de ça en fait. C'est-à-dire que quand tu réussis des actions, forcément, tu vas engranger plus d'XP, donc ton perso devient plus malaise, etc. Donc si tu veux espérer être drafté par l'équipe qui t'intéresse, ce genre de choses, bah t'as tout intérêt à assurer quoi. Il sait jamais. Il n'a jamais fait de gros score. C'est méchant. Pour ça, ça m'a fait rire. Ah, lui aussi, il s'appelle Arnold. D'accord, mais il s'appelle peut-être pas Arnold, MC Arnold. Oui, c'est vrai, il y a marqué Mac Arnold. Ah, il marque Arnold. Ah oui, pardon. Pas MC Arnold. Mac. Allez, fais une belle action, là, ce chier. Ah, oh, putain. C'est un truc. Ouais, bon. Bah, arrêtez-le. Regardez comment il se... Arrêtez-le. Oh là là là. C'est une sacrée pareil, des fois les animations procédurales. Quand il t'attoute elles foirent un peu. Ouais. Et genre des fois t'as un mec qui va se relever, qui va être entre les jambes d'un mec, et un mec qui va s'être éviter entre les jambes ouais, d'un mec. Ouais, ouais, ouais. Bah, bon. Forcément avec 20 joueurs ou je sais pas combien sur le. C'est joli ça. Ah ouais, c'était super c'est beau. Le coach qui se tient la tête sur le bord du terrain, genre. Ah, c'est pas possible. J'aurais jamais dû embaucher ce mec. Donc là, t'es en défense. Yes, je suis en défense. T'as vu comment j'ai fait ? Hey, regarde ça. Allez, cours, cours. Mais il y a eu une pause dans le jeu là à un moment, non ? Cours, allez ! Putain ! Mais attends, mais il y a eu une pause au moment où t'avais le. Oui, c'est en fait pour te montrer que tu étais en train de comprendre, ils te mettent un petit ralenti pour te montrer qu'il y a eu un fumble. Donc c'est pas un lag quoi. Donc, voilà, là en gros, ce qui s'est passé, il y a eu un fumble. C'est-à-dire que. C'est quoi un fumble déjà back, c'est quand un joueur perd la balle alors qu'il est en possession. Ouais. Et donc là, c'est pas genre une passe qui rate en truc comme ça, là c'est littéralement. Il y a un joueur qui a possédé la balle et qui l'a laissé tomber. Ah. Et dans ces cas-là, la balle, elle appartient à l'équipe, première équipe qui va la ramasser. Okay. Comme c'est mon défenseur qui l'a ramassé en premier, et ben hop, on repasse en attaque.
D'accord. Voilà. Ah oui. Et si jamais il marquait un touchdown, là c'était. Donc vous repassez en attaque, donc du coup il y a un changement d'équipe. Oui, là on repasse du coup, là on fait venir l'attaque avec Arnold McArnold. Attends, mais tu veux dire que l'équipe qui vient de jouer depuis la mi-temps, là, elle a joué quasiment que dalle. Bah si, l'attaque et la défense ça alterne. Ah, ça alterne tout le temps en fait. Ouais. Ah d'accord, en fait, dans chaque équipe tu as une attaque et une défense. Ouais, oui, ça joue. Joueurs qui sont piochés parmi les 53 du. Et t'as pas les spéciaux là. Ils sont intervenus les spéciaux ou pas? Les spéciaux, c'est ceux qui font notamment les field goals, etc. Les field goals, c'est quand tu tapes le ballon pour le faire passer entre les poteaux. Les field goals. Field goal. Field goal. Field goal. Field goal, comme, ouais. Comme le champ. Ouais. Comme un champ de maïs. Exactement. Et merde, j'ai fait des. Voilà. Donc toi, tu parlais des pénalités, voilà. Là, j'ai pas joué à temps. Donc on prend une pénalité. Arnold McArnold, t'es vraiment une merde. Putain. Donc du coup, ouais, ça, on a pris 5 cartes de pénalité. Oh, regarde, quand ils sont vénères. Ah non, c'est toi qui calme es vénère. Calme-toi, copain, calme-toi. Ah, la vôtre. Oh, ta gueule. Alors, allez, on va faire ça. Oh putain, on va croiser deux chemins. Allez, on va essayer ça. Yes. Non, c'est pas vrai, je comprends tout aux règles, c'est pas vrai. Tu mens, Gordon. Alors, les visages, c'est moi qui ai inventé les règles. Quelqu'un dit qu'il est déçu par les graphismes, notamment les visages. Il faut savoir que les visages, c'est tout et son contraire. Hein. C'est-à-dire que les joueurs, en général, sont très bien modélisés. Et dès qu'on commence à regarder sur le banc de touche, dans le public, etc., là, c'est des mecs modélisés avec 4 polygones, avec une texture qui fait deux fois moins de pixels que celle des joueurs. Enfin, c'est affolant. Graoutib demande si le streaming le soir, c'est fini. D'une façon générale, oui. Je vais en faire de temps en temps, mais ça va clairement pas être la majorité de mes streams. Allez, on va continuer de courir. Est-ce que ça a de marcher là? Allez, tu vas y arriver, tu vas y arriver. On a plein de joueurs qui sont derrière pour couvrir de la passe, parce qu'ils pensent qu'on va passer. Donc c'est pour ça que là on arrive à gratter pas mal de yards. Oh yes! Canlust! Yes! Les affaires reprennent. Oui, c'est bon ça. Putain, t'as un gros moustachu dans ton équipe, c'est la classe. 2 et 1, bah écoute, on va continuer, on va courir, hein. Ils ont l'air de pas aimer ça quand on court. Ah, bientôt 5 minutes avant la coupure pub. Ah. Il est moins 5. Oh, pomme. J'ai pas vu, il s'est passé quoi? Bah lui s'est fait tamponner par un, il a rebondi sur le deuxième qui l'a foutu. Ouais, ouais, et donc du coup t'as avancé, j'ai pas avancé. Donc là, on va quand même tenter une passe, même si... il y a la couverture aérienne, quand même, d'ailleurs. Il y a la couverture aérienne, je comprends rien ce qu'il dit. C'est une catastrophe. Appuie sur RB. Oh bâtard! Et t'as marqué là? Non? Non. Non. Le défenseur a mis une claque dans la balle quand elle est arrivée. Sérieux? J'ai pas vu. Tant pis, on va faire un field goal, au moins on va égaliser le score. Non, encore, non, ne va pas dans cette direction là. Et donc du coup c'est un espèce de penalty, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire que là en fait on est au quatrième down. Et au lieu de punter la balle parce qu'on est quasiment en face des trucs, ouais. Bah, on fait un field goal. Et si tu fais un field goal réussi depuis le terrain, oui, sans un touchdown, ça, oui, rapporte 3 points. Oui. Et si t'avais si le mec il avait pas arrêté ta balle et t'avais marqué, bah, tu aurais combien? 6 points pour un touchdown. Ouais. Après, on aurait eu droit à un extra point qui consiste à faire passer la balle encore entre les poteaux pour marquer un point de plus. Ouais, d'accord. Donc, et 10, comme tout à l'heure, donc 10 à la place de 3. Quoi. Ton extra point, tu peux aussi faire passer à 2 points si, ouais, tu déclares que tu fais une tentative de touchdown. Au lieu de faire un kick entre les poteaux. Putain, j'ai fait une grosse connerie. Putain, j'ai un peu de mal. Pourquoi t'as fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, pénalité. Il y a eu quoi là? Mais attends, mais... Ah, attends, faux départ. Putain, c'est chez nous. Ah! Mais attends, mais t'étais pas maître de l'action qui vient de se passer là? Si. Putain, le plan de caméra était hyper chelou. Enfin, comment t'arrives à continuer à gérer. C'est talent ça, mon gars. Hein. Ok. Je pense pas que ce soit l'explication. Mais... On va faire ça, parce que je les sens vraiment. Ah, cool, ça ressemble pas mal à une course, ça. Là. Un accent américain. ça va être dur. Ça va être vraiment très dur. Ça risque d'être très casse-gueule. Ouais, bon. Ah,
Allez, on va essayer un blitz. En plus, en anglais, je sais pas dire grand chose. Et c'est plutôt des insultes. Donc plutôt des insultes, des insanités. Mais oui, pas sûr. Petit sac sur le quarterback. Un petit sac. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a chopé le quarterback avant qu'il puisse envoyer la balle. Ouais. Dans ces cas-là, il perd des yards. Ouais. Parce qu'en fait, l'action va recommencer là où on attrape le quarterback. Ouais. Voilà. Ça va sûrement de la. J'ai pas compris. À côté, il y a trois coureurs sur la droite. Los. Boum, voilà, toi au stick. Bam voilà. Quand il va avec le stick, là, bam. Comment tu l'as envoyé par terre? Donc toi, si je me foirais, derrière, il avait un couloir, le mec. Ouais. C'était chaud. C'était chaud. C'était chaud, mais c'était un risque calculé. C'est ça. C'était bien joué. J'ai tout calculé. Franchement, c'était j'ai joué. Tout calculé. Non, c'était fin. J'ai analysé le truc, j'ai eu 40 millions de possibilités. Donc t'es les jaunes, on est d'accord. J'ai eu 40 millions de possibilités, je me suis dit, c'est bon, sur 39 millions de fois, ça passe, il faut le faire. Make America Great Again, ouais, ça serait bien. Et d'ailleurs, il faudra que je m'achète le t-shirt pour la prochaine élection, pour Trump. C'est quoi, c'est 2020? Je crois, ouais. Trump 2020, ouais, ça serait bien. Et avance, pas mal. Je sais pas combien on a mangé 6 yards, c'est bien. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, pour un jeu de course 6 yards, c'est bien. Ok. Ah, fin du carton. Il reste plus qu'un carton pour remonter. On va essayer de l'emporter ce match quand même. On parle de High Shield 21. Shield 21. C'est, je crois, un animé, un truc comme ça, là, Olivier Tom, avec des mecs qui jouent au foot américain. Ok, je vais essayer mon hiver, hein. je vais essayer. On va voir si ça marche. Allez. 3 et 1 yard. Je vais essayer de faire encore une course. On va vraiment essayer de manger le chrono pour avancer. Parce que là, il suffit d'un field goal en fin de chrono et on peut l'emporter. Lenny Rockway, ouais, je serais tenté par des jeux auxquels je joue personnellement. Donc ce serait plus des jeux de type Oxygen Not Included, ça serait du Rimworld. Là, hier soir, je sais pas pourquoi, j'étais pris de folie et j'ai réinstallé Dwarf Fortress. Oh putain. Alors, bon, je vous avoue que quand je suis arrivé sur... quand j'ai tout lancé et que j'ai démarré la partie et que j'étais sur le tout début de la partie, j'ai fait Alt F4. Mais c'est normal, hein, enfin voilà, quand tu démarres Dwarf Fortress la première fois, ça demande. Alors peut-être que je pourrais de faire un de ces quatre. Oh Dwarf Fortress. Alors bien sûr, Dwarf Fortress. T'as vu ce qui s'est passé là? Non. T'as vu ce qui s'est passé là? Je suis en train de parler de moi. Et ça c'est du talent. Mais ça c'est du talent là. Présente tes respects s'il te plaît. Fumble. Non. Bon, bah j'aurais essayé. Hein. Ouais, je pourrais essayer de faire un Dwarf Fortress, mais par contre, avec obligatoirement un add-on graphique. Et j'hésitais à me remettre aussi à Banished. Enfin, j'aime bien ce genre de jeu. Kenle, c'est toi qui m'avais dit qu'on faudrait qu'on fasse un test de WoW classique. On pourrait. Même si personnellement j'en ai vraiment pas du tout envie. Bah, surtout là, en fait on arrive un peu après la bataille, maintenant il y a plus trop de files d'attente rigolotes à regarder quand on joue. Ah ouais Oui, de toute façon nous on arrive toujours après la bataille. Mais bon, ça peut être rigolo quand même. Canard PC. Attention, il faut nous entendre. Mais ça peut être rigolo de tenter. À quoi je joue d'autre Excusez-moi, je lis le chat. Ah, dommage. Voilà, c'est à peu près le genre de jeu que j'aime bien. Civilisation. Mais même le dernier, j'ai pas joué Civilisation. Ça commence un peu à me saouler. Allez, chope-moi ça! Ah! Ouais, c'est vrai que faire du WoW serait pas vraiment original. Je suis d'accord. Bon, le field goal à 55 yards, c'est ambitieux. Mais ça se tente. Mais alors, putain. Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est ambitieux? Parce que c'est loin. C'est loin, là, on est vraiment loin. Ah ouais, c'est vrai. Si t'as pas
Il faut un mec qui soit bon, quoi. Très bon kicker comme Justin Tucker. Justin Tucker, mais qu'est-ce qu'il est bon celui-là, putain. Eh, ça passe pas ça. Yes, putain. Putain. C'est là qu'il faut taper. Voilà. Attends, on va faire un bro. Yeah. Des explosions et tout en incrustation, c'est génial. Là, je mettrai des veines par-dessus Ouais, pour avoir sur YouTube, il faudra faire des petites modifs, que ce soit. 2 heures de mots classiques, on passe dans le stream, dans la file d'attente, ça serait original, ouais, c'est vrai. Ouais. Puis comme ça, on pourrait. Pour parler avoir fait de... du stream, un mobile qui fout fait paf, la file maquette. Après, comme ça, on pourrait parler, je sais pas, de cuisine, recettes de cuisine, par exemple. Ou tes techniques de pêche. Oui. Mmh. Mmh. Ou ouais, tes dernières vacances. J'ai une technique de pêche très particulière en fait, c'est la pêche au fusil à pompe. Tu tires dans l'eau, et puis tu vois s'il y a des trucs qui remontent. Mmh. Puis des fois t'as un plongeur qui remonte, du coup t'es dans la merde. Mmh. Bah c'est les dangers de la chasse. Bah oui, bah ça. Attends, les mecs ils signalent pas sous l'eau, ils sont cons quoi. Ils doivent mettre un gilet fluo, je sais pas, un truc. Ouais, vive les gauchers, ouais. Ouais, les gauchers. Ah, mais putain. T'as vu les droitiers, ils savent pas. Et si on perd, c'est ta faute. Hein. Pardon ? Si on perd, c'est ta faute. Ouais, bien sûr. Ah putain, mais t'as remonté, on est à 10 à 13. Bah, oui. Bravo. Et c'est pour ça que j'étais content, mais qu'est-ce que tu crois ? Mais félicitations. Oh là là. On demande si c'est de la pelouse synthétique. Ça dépend des stades. Ça dépend des stades. Souvent, quand c'est des stades couverts, ça peut être de la pelouse synthétique. Après, voilà, ça, c'est local. Hein, donc, Ouais, un grand moment d'émotion. Hein. Ouais, mais attends, c'est pas fini. Hein, une intensité incroyable. Oh, c'est la page de publicité. Ah. C'est maintenant. Et maintenant, une page de publicité. Achetez ce magazine. Il est très bien. Attends, faut peut-être qu'on revoie un peu notre slogan parce que c'est un peu pourri. Achetez Canard PC. Attends, je ça paraît bien comme slogan. Achetez Canard PC. Abonnez-vous. Donnez-vous de l'argent. Regardez, c'est beau. c'est quand même plus beau qu'Anneus, quoi. Enfin, là, par contre, t'es gentil. Regarde. Hop, voilà. Lire tes mains. Il est doux. C'est vrai qu'il est doux par contre, j'aime beaucoup le toucher de ça. Il est très doux. J'ai négocié pour qu'on ait une couve pot de pêche, mais c'est pas encore le cas. Mais je perds pas espoir. Un jour on aura peut-être une couve pot de pêche, et il sera encore plus doux. Doux. Merde. Vous avez abîmé, c'est ça? Non. Bon, peut-être engueulé par ailleurs. Attends, c'est bon, fin de la publicité. Canlust est très doux aussi. Très très doux. Regarde ça, il a grimpé dessus là. Bam! Reste là! Alors là, ce qui est chiant, c'est que par contre, ils sont en bonne position pour faire un field goal. On demande si les pages de Canard PC sont gaufrées. Non. Pour moi, c'est interdit, c'est dans mon contrat. C'est motif de licence. C'est tant que je travaille chez Canard PC, rien ne sera gaufré. Ah, t'as vu, genre les mecs qui sont motés téléportés, hein, parce que les animations se sont un peu emballées. Ah, j'ai pas vu. Please win. Ah putain, c'est pas mal ça. Grand support. C'est très contrariant ce qui nous arrive là. Oui, c'est un peu désappointant même. Ah ! Allez, bam ! Bah, pareil, quand tu qu'est-ce qui se passe ? Blablabla ! Tu as plus de chances de faire un fumble au mec quand tu tapes. Ah, c'est t'as fait un fumble ? Non, quand tu tapes au stick comme je viens de le faire là. Tiens, Knir 13, merci. Cool. Hey, merci Knir 13. Merde, j'ai fait saturer un peu le micro, désolé. Pardon. Excusez-moi, pardon. Je voulais pas. Ça fait quoi ? On a pris un touchdown. Putain, on a pris un touchdown, ils sont repassés devant. On a 1 minute 30 pour remonter. C'est chaud, 1 minute 30. Allez, 1 minute 30. Vas-y, tu peux le faire. Non, c'est pas la veste de Cyberpunk derrière. Hein. Par la droite. Allez, Canlust, tu remontes. Ouais, tu l'as, c'est bon, tu l'as vu, tu l'as chopé. Bravo. Et allez, ah.
combien on s'est arrêté, je pense qu'on a 25. Ouais, c'est ça. Et pourquoi ils ont remarqué 25. Un point? Ils sont passés de 16 à 17. Extra point. Ah, c'est chaque, l'extra point, le fameux extra point, bien sûr. Après chaque... Putain, ça rame. Ah ouais, et depuis Madden 19, c'est comme ça sur PC, c'est sérieux, super chiant. Ouais. Et ils vont avoir tellement rien à foutre que c'est toujours pas patché. Ouais. C'est pas cool. Allez, Ike. Oh putain! Ouh, la main du défenseur qui a dévié la balle. Ouais. Bah c'est pas cool pour vous, ça. Ah non? C'est une déception. Ouais, c'est un stick. Hey, est-ce qu'il l'a eu, là? Hey, salut, Denis! Je crois qu'il l'a eu. Oh putain, c'est passé. Oh là 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 là, c'était bon. Il faut vraiment y aller à la passe. Alors, Lenny Rockway, en fait, Denis, son boulot, c'est de mettre de la pub dans le magazine, pas de faire de la pub pour le magazine. Oh, pop, deux fois que je me fais avoir le concentre. Pas tout à fait la même chose. Ouais, concentre-toi un peu. Ouais, alors pareil, je sais pas si vous entendez, parce que nous, on a son qui est très faible, mais en fait, ils entendent bien, le public s'excite en fait au fur et à mesure du match. Et ouais, là, comme on est à la fin, ça monte, on arrive dans la zone. Là, ça doit gueuler dans le stade, à mon avis. Vas-y, Kenlust, vas-y, Kenlust. Vas-y, Kenlust. Allez, c'est le moment, c'est le moment. Oui, oui. Non. Putain, mais... Les mains en mousse du receveur. Putain, mais sans blague. La passe, elle était là, le mec était positionné, il s'est retourné, ça fait... Ça arrive, hein. Pas maintenant. Tac, allez, on va faire un truc un peu plus agressif. Ça, c'est pas mal, ça. C'est plus compliqué à suivre, mais c'est pas mal. Là. Oh, la c'est pris un sac. Bon, ben voilà. Donc là, ils ont juste à récupérer la balle, faire trois fois le genou à terre, et c'est réglé. Ah non, c'est ça qu'on a la quatrième donne. Bon, allez. Sur un malentendu, ça peut fonctionner. C'est vrai qu'on voit plus trop Paulinette. C'est triste. Alors que, elle est juste dans la pièce d'à côté. Elle aurait juste à se déplacer, venir nous voir, et nous faire le plaisir de sa présence. Tout est possible, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. C'est le grand jeu de la vie. Par exemple, Toto. Toto peut revenir à nouveau dans le stream. Il pourrait le faire maintenant, s'il le voulait. Va-t-il le faire? Va-t-il porter une veste léopard? Je ne le sais pas. Toto! Wesh, Toto, regarde, on a la gagne. Bien ce jeu. On a la gagne, on a la gagne, c'est maintenant, c'est maintenant. Non, on a pas la gagne, c'est fini. On a la gagne, on a la gagne. Là, c'est fini. On a la gagne, ouais. Marc, tu diras, oui, c'est... Allez, calme-le. En deux secondes, hein, c'est un malentendu, voilà. Fini. Wouah! On a perdu? Ouais. Donc, on va quitter ce mode, et maintenant, faire des matchs avec des équipes de la NFL. Ah, je peux pas zapper. Tu veux pas zapper ta défaite? Faut aller, ta défaite, regarde ta défaite. T'es obligé de regarder les gens qui pleurent. Ah. Fail. C'était mon dernier match. Je viens de pourrir. Avant mon cancer. Ils ont bien modélisé le grade de l'entraîneur. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Ouais. Leur pantalon est hyper moulant quand même. Ah bah ça, ouais. Ça c'est cool. Regarde, t'as vu ça comment c'est mis? Allez. On va se lancer dans un match un peu plus sérieux que ça. Les joueurs vont être transformés en sac à main et chaussures. À cause de toi, Kenlust. Par ta faute. Play now. Play now. Let's go. Baltimore. Ravens. Ravens. Moi, je préfère les Dolphins. C'est plus mignon. Ouais, mais ça respire mal en dehors de l'eau. En même temps, en vrai, j'aime bien les corbeaux. Non, Ravens. Ouais, corbeaux. Mm. Mais les Crow, c'est quoi alors? C'est aussi corbeau. Ok. Ils sont comme ça, ils sont compliqués. Hein. Expert en américain, c'est nous. Allez, on est trop fort. Si vous voulez des cours, allez-y. Go les Giants. Mais oui, go. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Vas-y, Toto, tu te calmes.
Et non, je vais pas traduire en français, du tout. Il est traduit qu'en américain. Et Paulinette peut toujours arriver. C'est toujours possible. Histoire que tu sois bien pour supporter cette belle équipe. T'équipe comme il faut. Donc juste une bière là. Allez, c'est parti. C'est quoi, Donc, cette année, ah, c'est les Ravens. On a les effets pyrotechniques sur PC cette année. Waouh, 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 Ravens, go! Go, yes! C'est toi qui l'as voulu. Ah ouais. En même temps, j'avoue, je l'ai un peu voulu aussi. Ah bah ça commence bien. Tu quoi, ça fait une balle, il allait se tomber. Ah là, c'est mieux ça. Oh. Il fait peur lui. Hein. Big boy. Ouais. Les trois tight end principaux de l'équipe. Allez le foot. Allez les Ravens. Ah ouais, allez le foot. Ouais, allez les Ravens. Allez le football. Qu'est-ce que je ferais pas pour qu'un RPC me ridiculiser avec une casquette. Donc, tu vois là, comme je joue Justin Tucker. Justin Tucker, ouais, tu joues Justin Tucker. Ouais, c'est lui qui va kicker. Ah oui, vas-y, kick. Bah, comme c'est une des jambes les plus puissantes de la ligue. Ouais, ouais. Quand tu engages, et bah avec lui, en général, tu la sors du terrain. Unknown. Voilà. Pouf, on met le genou à terre parce qu'on sait qu'on travaille plus ou moins. Ouais, allez le ballon aussi, c'est pas mal ça. Ou sinon tu peux aussi être pour les mecs qui sont en noir et blanc sur le terrain. On va commencer avec un bon blitz des familles. Allez, un blitz, comme tu sais bien les faire. Fais ton panzer. Donc, tu vois les mecs qui prennent de l'XP, tout tralala. Oh, comment ils se vénèrent là? Ils étaient proches de se taper sur la gueule. C'est chaud, c'est chaud. Et en plus, t'as moustache. T'as deux fois moustache. On est plus. Ah, c'est une tronche. C'était quoi ce bordel? C'est deux fois moustache. C'était pas ce bordel, il y a un bug. Ouais. Il y avait des jumeaux. J'avais pas compris. Bah, peut-être des jumeaux. Ça doit être ça. Comme tous les gens qui sont sur le. Qui sont spectateurs, c'est tous des jumeaux. Hop, reste là. Mais attends, mais t'es plus bleu, je comprends plus rien. Non, on est en blanc là. Oh là là, mais ils sont tous blancs. Ah oui, c'est les Ravens. Donc du coup, t'as les couleurs des Ravens. Okay. Et donc là, t'es monté en ligue. Enfin, oui, là, je suis dans la NFL. Là, on jouait en forme universitaire. Ouais. Là, c'est chaud. Donc là, ça joue plus ça vite, joue, ça pardonne moins, c'est un peu plus piquant. Vas-y. Je suis à fond. Qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe rien. Repasser, oh là 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 là, vas-y, fais gagner ta team. Go go Ravens. Arrêtez-le. Voilà. Et voilà les Dolphins, hop. Retour dans l'océan là. Merci KO. Hey, merci KO. On demande s'il existe un football américain manager. Non. Enfin, football manager. Je crois qu'il existe un jeu comme ça sur Steam, mais alors ils ont pas les licences ni rien, donc genre c'est que des équipes qui n'existent pas, des gens qui n'existent pas, c'est pas bien ouf quoi. Donc ça c'était pas très excitant comme action. Non. Qu'est-ce qui se passe? Il se concerte. Grosse couverture. Ah, c'est le huddle. Le huddle. 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 C'est de la prochaine stratégie en fait. Ah, ça s'appelle un huddle. Ouais. Mais attends, mais ça veut dire quelque chose en anglais? Ou c'est vraiment un terme inventé pour moi? Parce que huddle, ça me dit rien. C'est une bonne question. C'est vrai que je sais pas si c'est un terme qui a été inventé pour l'occasion. Le chat, s'il y a des experts en. Ou est-ce que ça veut pas juste dire anglais? Regroupement, un truc comme ça? Ouais, regroupement, un truc. On est méga chaud. Exa, c'est exa. Allez, Canlos, fais une belle action. Il va être temps de jouer plus agressivement là. Vas-y, défonce-toi. Il a failli éclater. Bam, par terre. Eh oui. En même temps, le mec, ça a l'air d'être une masse.
Et niveau gabarit, c'est à peu près... Il y a tout. Ouais, il y a tout, mais t'as des gabarits équivalents au rugby ou pas? Oh oui, même plus. Hein. Même plus. T'as des linemen, les mecs. Parce que lui, il a l'air bien tanké, quoi. 130 kilos en mode en dessous de ses cas de muscles, mais autour, t'as que du gras. Ouais. Et après, voilà, tu prends les receveurs par exemple, eux ils sont beaucoup plus fins. Et grands, t'as des mecs qui sont hyper grands. On va dire en gros, si t'es petit et trapu, tu vas faire un bon coureur. Si t'es grand et musclé, moi, par exemple, athlétique, c'est moi. Là, tu vas faire un bon receveur. Ah ouais, donc je ferai un bon receveur. Si t'es bien musclé du cerveau, tu vas faire un bon quarterback. Ça, c'est pas moi. À condition d'avoir aussi un bon bras pour lancer la balle. Ça, c'est tout. Et si t'es gras et musclé, tu vas faire un bon lineman. Parce que si t'as du muscle et qu'en plus tu pèses lourd et que pour te déplacer, il faut être bien motivé. Ouais. Et donc en gros les linemen, ceux qui sont devant et qui protègent le quarterback ou qui essaient de passer à travers justement. Mais d'après ce que tu me dis, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de place pour des mecs qui soient grands et fins. En tout cas, on n'a pas vu beaucoup aussi à la limite des kickers. Un kicker grand et fin, voilà, parce que le mec il est pas là pour se battre avec les mecs, il est là pour taper le ballon avec le pied. Allez, faites-le courir. Fumble. Voilà. Fumble. Wow. Voilà la défense des Ravens. Voilà la défense des Ravens. Mais ouais. C'est pour ça qu'on est réputé, Coco. Insupportable. Grand F1, tu peux jouer le ballon. C'est ça, ouais. Ah, pardon pour le... Pardon pour les tympans. Désolé, on va s'éloigner un peu du micro. Pardon. C'est trop d'émotion en fait. Là, t'as plein de gens chez eux, tu sais, toi, dans. Sur la cosa. Dans Subterranean, quand les mecs prennent une grenade et ça siffle, ils sont. Ils sont pareils. Non, c'est acouphène. Ah, on pourrait rappeler, on pourrait renommer notre truc acouphène. Notre truc. Et hop, Tucker, automatique, comme d'hab. Notre stream. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, j'ai tourné le regard 30 secondes. On a marqué un extra point en plus. Extra point. Oh, 7-0, mais tu es en train de les ouvrir. Non, bah 7-0, c'est rien. C'est un touchdown. Mais non, c'est pas rien, Ken Lust. C'est le démarrage. C'est hyper important. Tu vois la balle à atterrir derrière. Désolé, mais il va falloir qu'on fasse un disclaimer. Disclaimer alerte. On va passer salut. En... Tiens, t'as salut les loulous. Comment ça va? Ça va? On va passer en... Vous avez demandé Pauline? Non, c'est Paulin qu'on a là. On va passer interdit moins de 18 ans. Ça faisait longtemps que je voulais voir un stream de jeu de rugby. Je suis tous cassé la gueule. Ben voilà. Je l'ai mon toto avec... Cœur. Alors ça, c'était moche. T'aurais pu faire de la pub pour le magazine quand même. Attends, t'abuses. Merde. Allez. C'est soi quand même. Ah oh, oui. Bon allez, soyez un peu corporate. Voilà. Ouh, ça a bien failli refaire une interception cette histoire. Ça aurait été beau. Ça aurait été beau, mais malheureusement. Eh oui. Malheureusement, pour l'instant, c'est la tristitude. C'est la tristitude. Avec des Dolphins qui avancent beaucoup trop vite à mon goût. 115 téléspectateurs. Allez, reste là, toi. Voilà, donc là, ils vont tenter un field goal. C'est un peu. Ouais, vas-y, tente un field goal, ouais. Non, ah non, eux, d'accord. Eux. En défense. Oh là, non, mais il y a une quantité de couleurs bleu ciel là. T'es pas à domicile là. Ah non, on est chez Dolphins là. On a bien. D'accord, ouais, mais ça se voit parce que putain. je vois pas beaucoup les couleurs des Ravens quand même. Ouais. bon, on me dit que. On dirait un cousin redneck pervers avec ma casquette. C'est bon, c'est gagné. je ressemble à quoi? Ouais, wow, un petit peu, ouais. Ouais, on a un petit peu une tête de redneck. En fait, on est un petit peu les rednecks de Canard. En fait, c'est qu'il faudrait une cassette, c'est que des bières sur le côté, et puis là, ah ouais là. Ça, tu bois en...
sans devoir faire d'efforts. Ça, c'est cool. Ça. Ouais, non. Mais si, non. On t'en achète une pour Noël. Ok. Mais que si elle est aux couleurs de Ravens? Oh bah, ça se trouve. Ouais, franchement, ne me tente pas. Pas mal, ça. Pas mal. On est bien monté. Bon, il se passe quoi? Et ouais, youpi, Lamar Jackson. C'est la mi-temps. Ouais. Non. Merde. Bon. Ouais, on va tenter ça. Mais explique un peu, donne-nous des éléments pour qu'on comprenne. Pour nous intéresser. Pop. Dommage. J'aurais pu aller beaucoup plus loin si c'était pas fait accrocher la jambe. Bon, on a fait un jeu de course, tout simplement. Voilà, par exemple. Alors, donc là, vous concertez. Oui, mais là, c'est un carton. Donc, carton, on va changer de côté. Carton, on change de côté, avec ce fameux stade qui rame, ça. Putain. C'est insupportable. Oui, c'est insupportable, c'est clair. Moi, ça me fait péter un plomb. Hein. Précédente version, c'était déjà le cas, et non. Eh, ça tient chaud les casquettes en fait. Bah on dirait pas comme ça. Wop. Eh non mais t'as... Oh putain. Oh. Eh alors. Mec. Bro. Eh ouais. Ça c'était vénère. Bam, qu'on a été récupéré chez les... Bam, l'esquive, non mais il était... Un excellent coureur. Dingue. Donc lui je pense que cette année il va faire des dégâts avec nous. Ah, c'est la... C'est ce que vous allez manger à la cantine tout à l'heure. C'est les repas de la semaine prochaine. Une petite passe quand même. Ouais. Donc ça c'est la piste d'atterrissage, décollage. Ça couvre bien. 747 là. Passes par là, attention. Par contre à 8h, t'as un MIG. Là. Si t'en as tes mains, qu'est-ce que t'en penses? Fais gaffe. B. Pop. Je pense qu'on fait un équipe au centre là. Oh. Vraiment que je faisais pas avec ça. Eh, t'en as un, il a les gants blancs. Pourquoi? Parce que. Ouais, non. Ils sont de couleurs, ils ont du turquoise, ils ont du orange. Non, les gants. En fait, oui, pas des gants. Ils ont le droit d'avoir plusieurs couleurs. Toi, t'as du orange, t'as du blanc, t'as du turquoise. Mais c'est n'importe quoi. Ah, c'est non, quoi, mais si tout le monde peut porter des couleurs, enfin des gants de couleur qu'il veut, c'est. Allez. C'est le bazar. Regarde, toi, vous avez tous des gants noirs. C'est cohérent. D'un moment, on est une équipe, on n'est pas une équipe. Ah non, il y en a un, il était comme ça. D'accord, j'ai rien dit. Ouais, il y en a un qui a des méchants dreads. Ah, je fais des blagues de tonton gênant lors des repas de famille. Ça, c'est pas bon signe. Oh merde. Et voilà, Marc Andrews. Ah non, c'était Boyd. Oh merde. Et moi, j'avais cru que c'était en rose. Bon, je me calme, d'accord. Donc tu vois, comparé à tout à l'heure, ça joue déjà un peu plus vite là. Ah oui? Donc on te met plus facilement sous pression, faut que tu... T'as pas le temps de traîner avec la balle, à regarder un peu qu'est-ce que je fais, où est-ce que je l'envoie, faut que tu prennes vite une décision quoi. D'accord, je m'en l'apporte un peu. Je ferais bien un read pass option là. Et j'en ai pas de proposé, j'aurais pas le temps de chercher correctement. Donc on non mais, faire. Mais c'est, mais c'est hyper compliqué, enfin, là t'es en train de passer des... Je comprends rien. Bah c'est les plans de jeu tout simplement, mais après quand tu commences c'est à t'habituer... C'est... En fait c'est les plans d'attaque... Ouais. Et voilà, Lamar Jackson. Non mais... mais comment t'as fait? Et comment j'ai fait? Bah, j'ai couru avec le ballon. En fait, mais mec, il n'y avait personne devant quoi. En gros, là, j'ai fait un plan de jeu qui proposait deux solutions. Ouais. Soit je voyais qu'en face, j'allais pas avoir de percée. Attends, je les pose pour que pas pour ça savoir. Donc j'avais deux options. Soit je passais la balle au mec qui était à côté de moi, le coureur, qui part sur le côté. Donc ça impliquait de voir s'il y avait une percée sur le côté dans la défense. J'ai vu que c'était plus ou moins blindé sur le côté gauche, ouais. Donc je me suis dit, tant pis, je vais garder la balle, et ça c'était la seconde option. Et je fonce droit. Et donc comme j'ai pas appuyé sur le bouton pour transmettre la balle à l'autre coureur, bah donc le quarterback l'a gardé, et j'ai couru avec, et je suis passé entre les... Regarde, on va te
rencontré ça. Oh oui, remonte-moi ça, c'était voilà. Tellement beau. C'est incroyable. Donc, tac, la balle, elle est envoyée, tac. Là, le mec qui est à gauche, là, tu vois. Ouais. Qui fonce vers toi. Attends, comment je fais pour zoomer? Non. Ah, je veux zoomer. Je veux zoomer, c'est où zoom? Donc, tu vois, j'ai fait croire. Ah oui, t'as fait croire que carrément tu lui filais la balle. Regarde, tu vois, tac, il fait ça. J'ai pas appuyé sur le bouton, donc la balle, elle a été gardée. Et donc, derrière, t'as plus que à courir. Voilà. Mais après, pareil, ça, si je m'étais planté de lecture et qu'en face, les mecs, ils te faisaient un mur de joueurs, bah tu vois, tu... Oui, bah oui, tu prenais un mur, forcément. Voilà. Quoi. Ouais. Ah, c'était beau. Et c'est quoi, tu feras la seconde mi-temps? Ouais, ok. Hein, t'as pris un peu trop d'avance. Ouais. Ah, je suis soufflé. Le mouchoir à la taille du joueur, en fait, c'est pour s'essuyer les mains. Alors, ça sert pas toujours, hein, mais quand t'as des joueurs qui ont tendance à transpirer des mains et qui veulent pas jouer avec des dents, bah, ils peuvent s'essuyer les mains avec ça pour justement bien gripper la balle et avoir les mains sèches. Mais d'une façon générale, ça sert plus quand même quand il pleut, pour qu'ils puissent justement sécher les mains, les gants, etc. et s'assurer que la balle va zip entre les doigts. Ah, là on n'a plus le vent dans le dos, donc tu vois, j'envoie la balle un peu moins loin avec Tucker. Ils vont courir. Ah ouais. Ouais, je ne l'en pas. Bon. Oh là là. C'était un assassinat. Oh là. Retour de 22 yards, ça va. Oh le temps de la casse. Les mecs, ils ont volé. Alors. Ça, je sens que ça va passer. Alors, quelle belle action tu vas nous faire, Ken Most, aujourd'hui. Hop, bah genre ça. Arrêter le coureur. Ils ont fait un yard. Ça va. Maintenant, on va être plus agressif. Couverture aérienne avec un petit blitz en passant. Hop là, j'ai fait mon meilleur pinceau. Tout va bien. Tout est sous contrôle. Donc chaque action, chaque joueur gagne un peu d'XP. Quoi. Ouais. Et en fait, après, quand tu joues en mode franchise, t'as un suivi de ton équipe, en fait. Et donc, tu développes ton équipe, etc. Et pareil, bah, tu peux avoir des blessés pendant la saison. Mm. Donc, il faut que tu fasses rentrer d'autres joueurs et tout. Enfin, tu gères vraiment ton équipe, quoi. Mm. Et pour ça, il y a un petit côté Blood Bowl, justement. D'accord. Avec le côté gestion sur le long terme de son équipe. Les blessés, les mecs qu'il faut signer en urgence. Nickel. Il était sous pression, il a jeté la balle n'importe comment, ça n'a rien donné. Parfait. Le trouble est dans l'équipe adverse. En même temps, là, j'ai aucun mérite, c'est les Dolphins, ils sont un peu à la ramasse cette année. Ah bon? Ah oui, donc tu voulais gagner en fait? Ouais. Okay. En fait, j'ai pris le premier match, tu m'as proposé. Et en fait, comme c'est pour être ton premier match, ça. Parce que dimanche, la saison de la NFL reprend. Ouais. Ah, tu veux être à balle? Et ah bah, j'ai ta balle là. Et c'est à quelle heure? Dimanche soir, 19h, boum boum. 19h? Putain, ouais. Ça tombe super bien. Bah ouais. Non, parce que des fois ça tombe à 3h du matin. Ça dépend des matchs en fait. T'as 3 cycles de matchs le dimanche, ça commence à 19h. D'accord. T'en as un deuxième cycle à 1h et t'as le match prime time qui est à 3h, je crois, un truc comme ça. Non, attends, j'ai une connerie. Non, le match prime time, je crois qu'il est à 1h. Je sais plus. Enfin, en gros, t'as 3 cycles et ça se finit genre à 4h du mat, tu vas te coucher. D'accord, oui, donc ça commence pas à 3h en plus. Ouais. Ok, donc Monsieur Ken Lust va être devant son canapé. Ah bah là, ouais. Dimanche à 19h. Et c'est les Ravens? Ouais. Ah oui. Ah, tout le monde joue en fait. Hein. Tout le monde joue. C'est plein de matchs en simultané. D'accord. Ah, dommage. Dommage. Ça me donne envie de manger des olives.
J'ai encore fait une blague de tonton. J'ai encore fait une blague de tonton gênant. Ah. Non mais le mec il a presque couru sur place, tu vois. Ouais, voilà, il l'a. Pendant l'espace de 2 secondes. Il a frappé la souris, boum. Allez, vas-y, t'es gentil, tu restes là, toi. Bon, là, à mon avis, ça, cette histoire, ça va pas aller bien. Hein. Mais non, c'est la veste de Ken Lust. C'est sa veste de motard, mais il a rien. Oui, parce que Ken Lust est très fier d'être motard, donc il vous montre sa veste. Oh, pop, 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 pop. Et mon boy, il est illustre, hein. Ah bon? Ah bah t'as vu la réception qu'il a faite? Ah ouais, c'était incroyable. Ah c'était... Non, je vais regarder le chat. Regarde. Boum! Avec des mecs qui volent autour et tout, c'est magnifique. C'est beau, hein? Ouais. Allez, on va faire un peu de course. Il y a encore qui voudrait qu'il y ait des pins sur ta veste de motard. Ah non, mais surtout pas, c'est dangereux. Non, c'est vrai, c'est dangereux. Oui, d'avoir des pins. Bah, si je me crache, t'imagines, c'est parce que. Ils vont où les points des pins, ça vont où? Ouais, mais un pins. Enfin, ah bah oui, non, bon. C'est pas. Non, mais c'est pas très dangereux, enfin, c'est pas ça qui va. Si, d'accord. Okay. T'as juste des aiguilles qui te rentrent dans le corps, c'est tout. Non, bon. mais t'as une protection. Non, ouais. Non, c'est. Tu sais que non, même d'accord. Rouler avec. Je suppose pour faire des conneries. Mais tu peux faire des conneries. Genre, à une époque, je roulais avec des Caterpillar. Et en fait, les derniers lacets des Caterpillar, c'est pas des anneaux, des œillets, donc ouais. Pas sur le lacet, ouais, ouais. C'est des crochets en fait. Ouais, c'est des crochets, ouais, je vois. Ça. Oui, t'as plein de. Et en fait, j'ai discuté avec un chaussure qui font ça. Et il m'a dit, mais t'as pas idée du nombre de mecs qu'on ramasse avec les crochets qui sont rentrés dans le mollet, dans le tibia, etc. Ah, oh, c'est dégueulasse. Ok. Donc je fais, ok, et ben, je vais m'acheter des bottes de moto, hein. C'était le moment mignon, ouais. du stream. J'espère que vous avez apprécié. C'était l'instant sécurité. Avec Ken Lust, il y a toujours un instant sécurité. Tu devrais faire une émission sécurité. Un stream, tu vois. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Comme il a volé. Abel Thorne dit que de toute façon un vrai motard s'enfonce directement les pins sur la poitrine. Et du coup t'as pas de problème. C'est ça. C'est pas cool. Tu l'épingles comme un clac. Ouais, c'est pas cool. Touchdown était. Si, il y a un touchdown. Non. Il est passé. C'est pas possible. Jules Lemox dit que. T'as pas une moto, mais que t'es en trottinette. Non, il va passer le touchdown. Pourquoi il fait une célébration, lui? Donc t'as du bol, hein. Ben, je sais pas. Ne me demande pas, j'en sais rien, je comprends pas. Ah, c'est... Ok. Allez, on va faire un red option comme tout à l'heure. Ouais, fais ça. Je le sens bien aussi. Mais en fait, en vrai, les actions, elles se passent super vite, quoi. Ah ouais, je te dis, hein, c'est intense, hein. C'est quand ça joue, les mecs, ils sont à bloc. Allez. Mais oui. Ah, non, t'as pas marqué. Si, c'est passé. Il suffit d'entrer dans la zone, en fait. Ah bon? Ouais, tu rentres dans la zone. Ah d'accord, mais donc il n'y a pas l'histoire de « il faut que le mec, il mette le ballon non, 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 ça, c'est rugby, ça. Ça, c'est le rugby. Ah oui, c'est un élément intéressant à savoir. Oui, tant qu'à faire, c'est plus... Ah non, mais je savais pas. Ouais, non, on savait, voilà. D'accord, donc il a foutu le pied, c'est bon, c'est foutu, quoi. Il a passé la ligne, nickel. Et il suffit quoi? Il suffit de marcher sur la ligne ou de la dépasser? La dépasser. D'accord. Ok. Oh là 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 là, comment tu les déchires. Ouais, du coup, après, c'est bien, ça t'auras de l'avance pour, pour finir le match dans la quoi, la petite demi-heure qui va nous rester. Ça va saigner. C'est intensément chiant à regarder. Ah bah, si t'as pas le foot américain, oui, t'es pas au bon endroit. Désolé. Au moins, c'est sincère. Ah, quand le ballon passe la ligne, pour être précis, pas le joueur. J'ai un doute, là. Le ballon sous contrôle du joueur. Oui.
Donc c'est quand le ballon qui est sous contrôle d'un joueur passe la ligne. Oui, non, c'est ça, effectivement. C'est que tu peux tendre le bras et faire passer la balle. Tant que tu le contrôles, tant que tu l'as pas balancé, c'est ça, bon. Genre la ligne, si elle est là au niveau du bureau, là, je passe, je fais ça. Ouais, t'as pas besoin de mettre le pied, quoi. Par contre, si je fais ça, bah, c'est à quoi prendre une classe dans le ballon et là, il y a un fumble. Oui. À l'arbitrage caméra, ça doit être ultra précis. Ah, bah, c'est. T'imagines pas le nombre de replays vidéo qu'il y a, tout le tralala. Ouais. Tu sais que les petits pylônes orange qu'on voit sur le côté, voilà, tu le vois pas. Mais en fait, là, sur, au bout de chaque ligne. Voilà, reste là, toi. Au bout de chaque ligne du touchdown, toi, t'as Ah oui, je l'ai vu, ouais. Et en fait, ces petits pylônes, ils ont une caméra qui est alignée sur la ligne, en fait. Oui, d'accord. Du truc. Mmh. Oui, c'est des caméras d'arbitrage, quoi. Ouais, je commence à comprendre. Ouais. Et toi, dimanche, t'as fond devant ta télé. Non. Mais si. Ne mens pas, on le sait tous. Tu vas être là avec ton petit qui fait rien, tu sais, quand tu fais tourner là. Ouais. Hey, go Ravens. Et puis un petit drapeau comme ça. Ouais. Ouais. Non. Et puis ta femme qui signera la procédure de divorce. Ouais, comme ça derrière, en arrière-plan. Bon bah ça va être à toi, voilà, je te ramène la manette, tu vas prendre ma chaise parce qu'il ne faudrait pas que le micro te gêne dans ta lecture du jeu. Prends tes petits coussins Ken Lest. Ouais. Oups, attention, pardon, excusez-moi pour le son. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, live from Montagé. Ouais, c'est en train de donner les résultats des matchs qui se jouent ouais, on s'en en arrière-plan. Tu peux maintenir A si tu veux zapper. Ouais, on s'en fout. Donc là, tu dois choisir où tu envoies la balle. Alors moi, je te conseille de choisir des trois premières options. Tu veux renvoyer, tu veux revenir par le milieu, ouais, la gauche ça. Ou la droite. T'appelles quoi? Je sais pas. C'est important parce que ton équipe va se déplacer en conséquence. Donc faut que tu saches par où tu reviens. Ah, j'ai le fil dans le pied. C'est vite, bon. Cours. Allez, cours. Cours. Cours, Forest. Bah, tiens, la gâchette droite. Regarde, hop, hop. Ah, on m'a arrêté. Bah, c'est pas mal. Bah, ça fait un tour de 26-27 yards. C'est bien. C'est un bon tour. 26 yards. C'est propre. C'est propre. C'est pas fou, mais c'est propre. C'est pas fou, mais c'est propre. 26 yards. Moi, je pense que je fais 26 yards, je me fous une balle, mais c'est ça va. Bon, allez, on s'en fout, là. Alors là, faut que tu choisisses. Alors moi, je te conseille, pour commencer, fais-toi un double slant. Ouais, je vais faire un double slant, ouais. C'est... remonte. X, ouais. Voilà, toi, t'es, X. C'est okay. T'es le logo à côté pour choisir. Donc là, maintiens la gâchette de droite. Haut ou bas? La gâchette, donc du coup, c'est pas le bouton. La gâchette. La gâchette. Il découvre les pads, hein, vous inquiétez pas, tout est normal. Là, je suis un joueur PC, hein, excusez-moi, je respecte la communauté. Voilà. Oui, mais il y en a une haute et basse. Appuie sur le bouton, t'as plus que 10 secondes pour jouer. Haute et basse. Appuie sur A. Appuie sur A. Voilà, donc c'est bon, il va se replacer. Allez, appuie sur A, vite, vite. Maintenant, voilà, les joueurs dégagés, faut que t'envoies la balle. Envoie la balle! Faudrait que t'appuies sur le bouton en fait, pour envoyer la balle. Je t'expliquais tout à l'heure, mais comme t'écoutais pas, t'es trop occupé à faire le con. Je comprends. En fait, au-dessus de chaque joueur qui est démarqué, t'as la touche qui apparaît. Et donc, t'appuies sur la touche correspondante. Mais j'arrêtais pas d'appuyer sur A quand tu disais appuie sur A. Oui, mais ça c'était au début pour faire l'engagement. Mais après, quand le joueur commence à courir, vas-y, choisis un corner strike là, c'est pas mal ça. Donc, maintiens la gâchette droite. Au secours. Maintiens la gâchette droite. Aidez-moi. Sauvez-moi. Bah tiens la gâchette droite, je vais t'en mettre une. Au secours. Non. Voilà, quand t'as tes plans de jeu qui se dessinent. Ah attends, ouais. Appuie sur A, maintenant que tu sais où va tout le monde. Attends, A c'est là. Ouais. Appuie sur A, t'as plus que 6 secondes. J'appuie sur A. Ah. Ah voilà. C'est maintenant, genre appuie sur Y. Y, Y. Eh bah t'as eu du bol qu'il soit dégagé comme ça lui. Je sais même pas pourquoi. En fait, quand tu dis appuie sur A. Il faut tiens, que je. Une petite course là. Il faut que j'arrête d'appuyer sur la gâchette. Oui, oui. Sinon ça marche pas. En fait, t'as la gâchette, c'est juste pour voir le plan de jeu. Je vais les préciser. Voir comment ça passe. Là, on maintient la gâchette. Voilà, donc tu vois que tu vas courir comme ça et que là la zone elle est dégagée. Donc ça devrait être pas trop mal. Donc t'appuies sur A quand t'es prêt. Je suis prêt. Et tu cours après. Je cours. Yes. Pas mal. Pas mal. Vas-y, on s'en fout. Allez, refais une petite course. Ouais, une petite course. J'aime bien les courses. Gâchette.
Donc tu vois, pareil, c'est vers la droite, donc ça va. Ah. Ouais, non, là, Ils s'y attendaient, ils t'ont fait un petit mur. Non, mais j'avoue, j'ai un peu foncé sur mes... Allez, descend un peu dans la liste, là, on va essayer de trouver une petite passe sympa. Tiens, remonte. Remonte encore. Ouais. Dagger, c'est pas mal ça. Dagger, ouais, c'est bien Dagger. Ouais. Donc gâchette, pour voir qui va faire... Qui va faire quoi ? Qui va faire quoi ? Voilà, toi, que le X, c'est ta primarie, en fait. C'est ta ligne de course primaire. C'est elle, normalement, qui est censée recevoir la balle. Allez, 10 secondes, va falloir engager. Ah, et donc là, X... Appuie sur A. Ah. Oh, attends, mais les pinceaux. Parce que là, le joueur qui était en A était complètement dégagé. Donc t'as pu faire une belle passe. Allez, je vais choisir, là, les 3 sont bien. Ouais, les 3 sont bien. Le X est bien. Gâchette. Donc, je vais appuyer sur A et j'engage à X. Et là, X, il attrape. Ouah ! Bah, mon gars. Messieurs, dames. Je découvre. Eh ouais. J'ai marqué des points. Pas encore. Allez, t'as arrêté juste avant le touchdown. Mais la balle, elle est passée. Non. Parce qu'en fait, il a mis un genou à terre avant. Ah, si le joueur met un genou à terre... Ah oui, s'il est à terre, bah, il est à terre, quoi. Donc, ça avance plus. Et on considère que c'est vraiment où il a mis le genou à terre. Ah non, mais il faut refaire, je savais pas, j'étais pas au courant. Alors, là, vu que t'es très près du goal, une course, ça peut passer. Moi, je te conseille t'as pris lequel ? J'ai pris une course. Ok. Ça peut passer. Gâchette pour voir vite ce que ça va faire. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, il veut que j'aille à gauche. Ça, c'est un read pay option. Donc, normalement, si tu touches à rien, tu peux essayer de passer par le centre. Ok. Ça me plaît, c'est à mon. Ouais, cours, cours. Ouais, non, ça a pas trop marché. Oh, le mec, il a volé quoi. Bon. Bien essayé. Merde. Bon, et bah, tu fais quoi là ? Tu fais une course par la droite. Donc, toi, Ingram là en bas, il va courir à droite. Donc, là, je fais quoi ? Donc, t'appuies sur A et après, tu diriges Ingram. Et après, je. Voilà, allez, cours. Eh. Yes! Stick droit. Pour non, non, je m'arrête plus. Non, fallait faire un coup de stick droit pour lui faire une petite danse, un truc comme ça. Oh. C'est ça? C'est trop tard. Trop tard. Stick droit. Non, mais là, du coup, tu vois, je suis déterminé. Là, tu t'es excité sur le stick gauche, là. Ah, le stick droit. Donc là, fais un pat à Tom. Putain. Stick gauche, stick droit. X. T'as fait quoi, là? Y. Putain. Donc t'as fait un fake. Donc il va falloir que tu passes la balle en fait, il va pas taper dedans, il va falloir que tu fasses une passe. Oh putain c'est chaud. X. Le con. Bon, bah voilà. Ah ouais, ça c'était bien de la merde. Oh non. Bon. J'aurais essayé. Eh, il faut lire le chat un peu. Non mais sous de ta gueule pour l'instant. Bah tu rigoles, et il m'encourage, bravo monsieur chat, il y a des cœurs. Alors, kick-off de kick, on remonte, quel côté ? Là, toi, on voit la caméra qui est sur la ligne. remonte dans la liste. Voilà. Gauche, droite, milieu. Allez, milieu. Donc là, tu vas dégager au milieu. Dans le bide. Pam ! Donc, ouais, faut que tu kick. Donc, t'aurais pu orienter avec le stick. Ouais, mais je l'ai pas fait. Un peu de tir. J'ai décidé de ne pas le faire. Et là, voilà, comme t'as pas rappuyé derrière, bah, t'as fait un. T'as envoyé un vieux saucisson avec le pied là. Et t'as trop attendu, je crois, non ? Bah, je sais pas. Fallait faire un truc. Moi, j'ai appuyé sur A. Fallait pas appuyer sur A. Alors là, choisis une défense. Moi, je te conseille une des deux premières. Parce que ça risque de passer un peu au début. Parce qu'effectivement, il y a des mecs qui sont placés en jeu. D'ailleurs, on va savoir si le running back va pas faire bloqueur. On va voir. Ouais, il court. Hop. Alors là, je ne comprends rien du tout. Parce que les joueurs jouent aussi. Hein, là, j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien compris, j'ai rien fait. C'est l'IA qui a géré là. D'accord. Oui, je confirme. Hein. C'est pas moi qui ai géré. Quand t'as choisi un plan de jeu correct, bah, tu vois, ça a limité la casse. D'accord. Ah, ces plans-là sont assez beaux. Un petit blitz. Un petit blitz, allez. Donc là,
Mais pause, j'explique vite fait. Ah. Tu vas prendre un joueur avec B qui est sur la ligne offensive. Tu vas te tenir prêt. Dès que la balle en face bouge, est passée, tu déplaces ton personnage en appuyant sur la gâchette pour lui faire un sprint de départ. D'accord ? Et donc là, quand ton personnage va se heurter à quelqu'un, tu vas remarquer X ou A, selon si ton perso est en train d'essayer de faire un passage en force ou en finesse, et tu appuies sur le bouton correspondant pour essayer de passer. Et si tout va bien, que tu as fait les bonnes manips, normalement tu vas passer et tu vas pouvoir aller chercher le quarterback. D'accord. Et faire ce qu'on appelle un sac. Je vais faire un sac. Voilà. Donc, dès que la balle bouge, gâchette et tu te déplaces dans la direction du quarterback, tu appuies la gâchette et tu te déplaces en même temps avec le stick, d'accord ? Et dès que t'as le pop-up qui apparaît au-dessus de ton personnage pour dire appuyer sur X ou sur A, tu fais ce qui correspond. Ouais. Allez, résume. C'est quoi ? Appuie sur A déjà, pour lancer la partie. Si là t'es en pause là. Voilà, donc toi t'es là. Donc là tu attends. Non, mais tiens pas la gâchette. Faut que t'appuies quand il lance. Voilà, go ! Allez, allez ! T'as pas bougé du tout, je sais pas ce que t'as foutu, mais... Bah j'ai juste eu un temps de réaction. Ah ! Allez, tu vas faire la même. Là, t'es warmly, t'es là. Ouais. X. Hey, interception. Bon, c'est Lia qui l'a fait, mais c'est cool. C'est très humiliant ce que tu viens de dire. Non, mais sans moi, c'est ça qui est cool avec la Raven, c'est qu'on a une excellente défense. Donc, les interceptions, etc., c'est normal. Il y en a beaucoup. Même quand tu diriges pas, t'en as beaucoup. Allez, on y croit. Donc là, je suis encore en défense. Non, t'es en attaque. T'as récupéré. Ah oui, j'ai récupéré. C'est un double slant, c'est pas compliqué à gérer. Double slant. Pour comprendre. On tient la gâchette pour voir les tracés. Oui. Voilà. Donc je donne X. Alors non, pas forcément. X, c'est celui que tu dois surveiller en premier. Ouais. Mais les autres, s'ils dégagent, il faut quand même que je garde un œil sur Y. Et là, je fais quoi ? T'appuies sur AD que t'es prêt. Y, Y. Y, bah oui, Y, c'est pas mal. Allez, Y là, ouais. Ah, ouf. C'était trop lent. Ouais, mais la passe était bien. C'était une belle passe. Un petit jeu de course. Allez. Un petit wham. Ouais, ça je sais faire. Hop, hop, hop. Alors, c'est pas si quoi. Petit coup de gâchette, c'est bien, ça a l'air d'être plutôt correct à droite. D'accord, ça. Donc je fonce dans le tas. Donc là, toi, Ingram, tu vas le diriger. Ingram. Et grosso modo, tu vas essayer de faire ça. Ouais, grosso merdo. Eh ben, heureusement que t'as le strong safety qui était derrière pour l'arrêter, parce que là sinon, tu partais droit au touchdown. Ouais. Eh ouais. J'ai du bol. Mais c'est la casquette qui fait tout. Ouais, grave. J'ai rien compris. Encore une petite course, je pense, là. T'es pas loin de la zone de but, là. Ouais, une petite course, t'as de l'avance, faut manger le chrono. Voilà. Vite, attends, laisse couler, on va passer au carton suivant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah. Ah ouais, fin de carton. Donc on va reprendre là où on en était, mais au carton suivant, et en ayant interverti les deux positions des équipes. D'accord. C'est-à-dire que si tu partais dans cette direction-là, voilà, on reprend l'action de l'autre côté. D'accord. On va continuer à vous courir. Ouais, un petit Y, Ravens Power. Ravens Power. Yo bro. Gâchette pour voir comment ça se présente. Oui. Ça présente pas mal, donc pareil, Ingram va faire ça en gros. En gros, ouais. En gros. Ah, Ingram ! Ouais. Pas mal. T'as mangé quoi ? 5 yards, là ? 7 yards ! Eh ouais, mec. C'est une belle course. Ouais, mec. 7 yards. C'est une belle course. Allez, continue de courir. Là, t'as monté en avance. T'as aucune raison de prendre des risques avec des passes. D'accord. Alors là, c'est complètement dégagé, le jeu de course. Ah bon ? Oui. Mais pourquoi il dit d'aller à droite, alors ? Parce qu'il va partir à droite. En fait, t'appuies, touche rien. L'accent va courir à droite, allez, dirige-le. Ah d'accord. Ah oui, bon, là, c'est... Voilà. Allez, célèbre, c'est droit. Voilà, petit spike. Yo, 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 voilà. Yo. What's up, what's up. Donc là, tu fais un pat. Je fais un pat. Tu fais X, tu fais la même journée que tout à l'heure. Donc la pat. Voilà. Donc là, ce que tu fais, alors je t'explique.
T'appuies une fois, ça va monter. Faut essayer d'appuyer une autre fois quand t'es près de 100. Et ça va redescendre. Faut rappuyer une autre fois au centre. Donc t'appuies 3 fois sur A. Une fois pour lancer, une fois à 100, une fois à 100. D'accord. Et tout à l'heure, j'avais appuyé que 2 fois en fait. Voilà. Parce et que comme. Tu m'avais pas expliqué. Oui, et comme t'es nul à chier. Voilà. T'as raté, raté un extra point avec le meilleur kicker de la ligue. Félicitations. Bravo. Arrête de me shamer. Ah, tu peux être fier, hein. Arrête de me shamer comme ça. Aïe 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 aïe. Fumble. Allez, tu kicks où? Gauche, droite, centre. Moi je suis droite. Donc là, dirige avec ton stick à droite, du coup, parce que l'équipe va se diriger à droite aussi. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Et là, tu ouais. peux kicker comme tu l'as fait à l'instant. Mais en mieux. Voilà. Bien. Voilà. Tu vois que t'es capable de faire des trucs, là. Bah oui. C'est vrai. C'est vrai, je peux faire des trucs. Presque. C'est vrai. Tout à l'heure. C'est vrai. Ah bon, je suis étonné vraiment quand même par la qualité des animations, c'est assez ouf. Là j'ai vu le mec qui l'a plaqué en fait, il l'a bousculé, il était parti pour l'autre continuer d'avancer, et en fait le mec en tombant, il l'a attrapé par le col et il l'a tiré vers le bas. C'est vraiment vraiment... Il commence à être sale hein. Ouais, et t'as vu le stade en train de se vider. C'est parce que t'es trop nul. Bah non, mais parce qu'en fait eux en face là, ils se prennent branler chez eux, donc là donc ils se barrent en fait. Le stade commence à se vider. Ah ouais, ok. Enfin je crois, parce que j'ai cru voir un gradin, non parce que là il y a beaucoup de monde là. Parce que je sais que l'ambiance sonore, là, ça doit être un silence de mort dans le stade. Ouais, non, effectivement, le stade est toujours plein. Par contre, l'ambiance sonore, voilà, c'est... Hop, un sac. Mais tu m'as pas expliqué ce qu'il fallait faire. Bah non, mais t'as fait ce qu'il fallait. Ah bon ouais. Okay. C'est juste que c'est un joueur dirigé par l'IA. En fait, c'est... Non, j'ai appuyé sur X. Ça, c'est un truc auquel il faut vraiment s'habituer. Oui. C'est... T'as 11 joueurs, t'en diriges un. Ouais. Donc automatiquement, l'IA autour fallait tout oui, pour oui, toi. Oui, oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'au début, quand tu connais pas trop le jeu, des fois, ça peut, t'as un sentiment bizarre. En fait, tu dis, bah, je comprends pas, j'ai rien fait, mais il s'est passé quelque chose de bien, en fait. Et t'as pas le sentiment de mériter, parce que tu dis, bah, en fait, j'ai fait un truc dans mon coin, et ça a pas vraiment impacté, mais en fait, bah, parce que chaque joueur, en fait, est dirigé par l'IA, quoi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah! D'accord, donc là, je... Oui, bah, heureusement, l'IA encore. Voilà, ouais, ils l'ont arrêté. Troisième et 13. Ils ont 13 yards à parcourir en 1 yard. En un. Ils vont jamais y arriver, les cons. Attention, 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 qu'est-ce que tu me fais? Bah là, toi, tu vas nous refaire 5 yards là. C'est cadeau. C'est moi, c'est cadeau. Mais non, mais je sais pas voilà, pourquoi j'ai fait ça. Mais non, mais j'ai pas fait ça. Donc, toi, la fameuse faute volontaire dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Bah, voilà. Et encore le repas de midi. Non mais, je sais pas ce qu'ils ont avec ça. Oui, j'ai vu que les Bills cette nuit ont eu un first and 40, c'était... Donc là, je peux jouer maintenant, c'est ça. Là, c'est bon. X-Power win. Voilà, yes. Tu vois, là en fait, comme tu l'as mis sous pression, il a fait une connerie et jeté la balle n'importe comment. Et voilà, ils se tiennent pas à la pression, ces cons-là. Tu vois, il est mort, là, le mec. C'est vrai que là, il y a un bug d'animation, là. Il y avait un... Donc, vous voyez, encore une fois, les trucs que EA ne corrige pas vraiment... À chaque version, c'est le même bordel. C'est des fois des animations comme ça qui freeze. Donc d'un coup, on a un personnage qui envoie la balle et après qui l'a et qui bouge plus. Vite, return middle. Et là, il se passe quoi? Là, ils vont pousser de la balle en fait. C'est très intimidant comme. Tu vois, comme ils sont au 4ème essai et qu'ils savent qu'ils pourront pas faire 600 yards. Mais j'ai quasiment rien à faire là. Enfin... Eh ouais, on est au cargo. Allez, le retour des seigneurs sur le terrain. Les gens ici rient. Ils sont heureux. Ouais. Ils ont de l'empathie. Ils ont de l'empathie. Comme c'est marqué sur... C'est obligé en fait. On a nos voisins qui ont un tableau dans leur bureau. Thomas Petro. Avec un pouce en l'air et avec marqué empathie en dessous. Je sais pas quoi dire. Bah peut-être que c'est un message que tu devrais faire preuve de plus d'empathie pour tes voisins. Là en fait à côté c'est des fans de Canard PC. Voilà. Ils nous regardent et ils s'en rentrent en larmes. Bah oui. Allez. T'es un monstre. T'as 15 secondes pour jouer là. Donc là déjà, gâchette, voilà. Tu vois qu'à gauche ça passe bien. Ouais, je suis à fond, c'est parti. Ah. Allez, mais ça passe. Hop. Oh là. Oh, 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 oh.
a fumé le Strong Safety. Tu l'as fait voler. Donc là, allez, celebrate, un petit coup de stick, voilà, petite danse. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il est facile ton jeu. Je me demande si on l'a pas lancé en rookie. Attends que j'y pense. Lancé en quoi? En rookie. Ah! C'est peut-être pour ça. Peut-être pour ça. Si même moi tout à l'heure je jouais, je me disais quand même, là j'enchaîne un peu les touchdowns là. Pas grave, ça refait le spectacle là. Oh là là là, la pirouette, c'est magnifique. Ouais, non, c'est, je pense qu'on est d'accord. Ça a dû lancer en rookie. J'ai pas dû faire gaffe. Parce mais que non, là, mais... là, 39-3, même avec 5 points d'écart entre les deux équipes, ça a fait un petit pat. Et c'est pas parce que j'ai une maîtrise totale du jeu que non, t'as fait un fake pat. Donc, Faya, faut que tu fasses une passe là. Encore? Fais chier. Ouais, mais tu regardes pas l'écran quand t'appuies sur les boutons. Bah, ouais, il faut que je regarde l'écran maintenant. Bon, je fais quoi alors? Kick, vite, kick, ah. Parce que là, le temps. Voilà, et prépare-toi à faire la passe. Ah, non, c'était pas une passe, c'était un jeu de course que t'as choisi. J'aime bien la course. Ah. Kick off middle, bam! Comme voilà, et comme dit Denis, de toute façon, c'est l'IA qui a gagné. Tellement. Ouais, mais sans moi, l'IA, qu'est-ce qu'elle ferait? Eh oui. Eh ouais, elle n'existerait pas. Eh non. Elle ne servira à rien. Pas mal ça. Bah oui, c'est pas mal. Regarde, bam! Oh yeah. On les voit comme couleur, je pense, ouais. Mais j'ai rien à faire moi. N'oublie pas, avec B, tu peux changer de personnage. Hein. B, change de personnage. En vrai, quand tu appuies sur B, il prend le perso qui est le plus proche de la prochaine action ou de la balle. C'est-à-dire que, genre, quand au début, quand t'es en défense, que t'essaies d'aller choper le quarterback, dès que la balle est envoyée, t'appuies sur B, ça va lâcher ton personnage qui était en train d'essayer de chercher le quarterback pour aller sur le défenseur qui est le plus près de la réception de la passe. Et dans ce cas-là, bah après, t'as plus qu'à essayer d'intercepter la passe avec Y, A ou X. Y pour faire un swat, si j'ai pas de conneries. Attends, Y c'est pour tenter l'interception. X c'est pour faire un swat, c'est-à-dire mettre une claque dans la balle. Et A pour juste attraper le mec et BAM! Allez, cover for drop. Donc là t'es en couverture, donc normalement s'il faut une passe, ça devrait être bien couvert, mais ouais si ça c'est une passe. Mike Beat Street. Donc là tu vas faire un blitz, donc là ton joueur, il faudra que tu fasses un rush comme tout à l'heure on dit, avec la gâchette et essayer de... Merde. Voilà, X, voilà. Oh, putain comment ils l'ont déchiré. Il a volé. Mais ils ont fait avancer le ballon. Ils récupèrent un first down et 10 yards. Là, tu peux tenter un blitz, je pense. Bon, allez, avec on va tenter un blitz. Donc, comme d'hab. Hein. Blitz de la dernière chance. Gâchette avec le stick au moment où ça commence à bouger. Ah. Au moment où ça commence à bouger. Et après, tu fais A ou X sur ce qu'on te demande. Là, il est marqué early. Ouais, t'avais appuyé sur le bouton trop tôt. Pourtant, j'ai appuyé au moment où c'était marqué X. Et je crois qu'on a le joueur X-Factor chez nous qui s'est activé. Parce qu'ils avaient la petite étoile en dessous qui brillait. Autant vu ce qu'on en remet, oui, ce serait étonnant que... Ah, c'est marqué late. X win. Ouais. Donc en fait, late, c'est juste que t'as appuyé trop tard sur l'input qui t'a demandé. Okay. Et après, si ça te met lose ou win, win, ça veut dire qu'en route, t'as gagné la bataille en face du mec et tu commences à progresser. Mais je suis en mode hyper facile parce que c'est tout le temps marqué win en fait. Ouais, je pense qu'on n'a pas dû faire gaffe tout à l'heure quand j'ai lancé, parce que j'ai lancé directement le match recommandé. Et il a dû. Oh putain! Bah, l'arbitre est aveugle, non? Non, je suis en mode facile. Ok. Ok, il reste combien de temps hein? Il reste combien de temps? Il reste 2-18. Ok. Donc normalement là, à partir de 2 minutes, si tu récupères la balle, on va te faire un CNIL à chaque action. Pour paumer le chronomètre. Et j'ai l'impression de faire toujours la même chose en gros. Donc là, c'est l'arrêt des 2 minutes. Minute warning.
Late. Los. Ah, j'ai perdu. Non, j'ai perdu. Allez, un blitz. Donc, je fais A. Oui, Y. Comme tu sens. Jumpstart. Power. Ouais, jumpstart, ça veut dire que t'as réussi ton... Ah. Quand t'as appuyé sur la gâchette en bougeant, tu l'as fait pile quand il fallait, et donc le perso est parti Au bon moment, de façon optimale. All right. Oh. Très bien. Il a foutu sous pression, il a pas su envoyer la balle. Priorité alerte. Bon, là, de toute façon, je pense qu'à vue de nez, le match est gagné. 39-3, une minute restante. Le suspense est intenable. Ça devrait le faire. Bien. J'ai l'impression que c'est un peu moins palpitant quand t'es en défense. Hein? C'est oui. Ça fait longtemps qu'ils essaient d'ajouter des petits trucs pour la défense, pour égayer un peu. Parce qu'en fait, t'es. Bah, t'es je suis pas à bloc là. Hein. Mm-hmm. Oh la claque dans le ballon. Pouh. Et encore, il a eu pitié, je pense, de l'IA là, parce que ça, c'était une interception facile. Et toi, pareil, les maillots qui se salissent au fur et à mesure. J'ai vu, j'ai remarqué. Je suis attentif. Mais... Donc là, pareil, il va falloir comme un engagement que tu cours en fait et que tu essaies de passer comme ça devant pour arrêter. Non, ils t'ont bloqué. T'as pas pu. Oh, c'était impossible. Ça arrive parfois que ça passe. Oh. Ok. Donc, comme je disais, la nouveauté dans Madden 20, c'est le mode Face of the Franchise qui permet de créer son propre joueur qui est un quarterback et de le faire évoluer du collège jusqu'à la NFL en fait. Et l'autre nouveauté, c'est le X-Factor cette année. En fait, dans chaque équipe, il y a des star players, en général un ou deux. Et en fait, ces star players, lorsqu'ils font certaines actions, suffisamment de fois, ils déclenchent leur X-Factor qui va leur donner un bonus dans un domaine particulier. Par exemple, je crois que c'est... Comment il s'appelle je sais plus comment il s'appelle, j'ai un trou de mémoire, le quarterback des Chiefs qui, lorsqu'il réussit X passe à tant de yards, genre plus de 10 yards, un truc comme ça, il déclenche un bonus qui fait qu'il peut envoyer la balle un petit peu plus loin. Donc genre, c'est pas énorme, hein, c'est genre 5 yards de plus ou 10 yards de plus, un truc comme ça. Ça rend pas plus précis, c'est juste que son bras est plus puissant et il peut envoyer la balle plus loin, avec plus de facilité. Et donc voilà, ça rajoute un petit peu de sel, ça crée des histoires en fait dans le match. Donc c'est pas mal. Flag, grave. Il y a une faute. Face mask sur. Flag, il y a une faute. Allez, face mask, accepte. A pour accepter la pénalité. Alors là, attends, regarde. Fais A, CNIL. Mettre le genou à terre. Voilà, appuie sur A. Et en fait, ils vont mettre le genou à terre pour passer l'action. Voilà. Il dégue. Est-ce qu'on joue trop bien? Il est trop puissant. Patrick Mahomes, effectivement, le quarterback des Chiefs. Bah voilà, c'est fini. Ah bah c'est fini. Ouais. Bon. Eh bien, c'était super excitant. T'as vu ça un peu? Ken Lust, c'était incroyable. Après, autant que ton niveau de compétence, je pense. C'était merveilleux. Les stats. Tu m'as fait découvrir cet univers incroyable de la NFL. Ils sont corrects quand même, malgré tout. Merci à toi. Bah, merci à toi. Mais non, merci à toi. Attends, on pourra aller manger. Merci à vous. J'ai faim. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Donc, ouais, non, bah voilà, merci d'avoir été là, comme d'habitude. Hein, c'était toujours aussi rigolo. Exact, je suis devenu fan de la FNL. FNL. Pas du tout. FNL, enfin, attention, là, tu commences à glisser. Là. Ouais. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, je vous dirai quand exactement, mais sûrement en fin de semaine, pour un stream sur Green Hell, qui est un survival dans la forêt amazonienne, mais sans incendie, NRA. Ni sans président fou, ni sans ministre de la culture qui vous menace de vous tordre le cou.
En gros, vous êtes juste un chercheur qui est paumé dans la forêt amazonienne, qui a paumé sa femme, je crois, qui est son assistante, qui bosse avec lui. Et donc, voilà, vous partez à sa recherche, et en fait, c'est un survival assez pointu, parce que c'est du genre, vous pouvez vous choper des infections, vous pouvez vous choper des tiques, des trucs comme ça, enfin... Ah, c'est du survival, hein, donc tu sais que tu vas en chier. Et bien sûr, il y a des mecs bizarres dans la jungle, qui ont l'air de tuer les gens, etc. Et donc, il faut essayer de survivre au milieu de tout ça. Voilà. Donc, on vous dit la semaine prochaine, tout simplement. Et puis, et moi, je vous dis à bientôt. Voilà. Bon week-end. Et bon week-end. Et oui, c'est bientôt le week-end. Au revoir, monsieur Charles. Trop bien. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur Lust. Bon, allez. Salut tout le monde. Salut. Au revoir.